Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à Canal Presse de ce 31 mars 2024. C'est votre émission qui permet de refaire l'actualité de la semaine. Et cette semaine a été chargée en actualité politique notamment. Nous dirons un mot en début de cette émission sur le Sénégal. Le Sénégal avec son cinquième président, Bassirou Diomaye Faye, qui a été donc élu à l'issue d'une élection précédée par de troubles, de nombreux troubles, des arrestations d'opposants politiques au Sénégal. Nous tirons les premières leçons de cette élection de ce nouveau président de 44 ans seulement au pays de la Teranga. Et nous parlerons bien sûr ici au Cameroun de cette crise qui secoue le parti camerounais pour la réconciliation nationale. Que se passe-t-il au sein de cette formation politique? Cette semaine, on a été arrosé de communiqués, d'exclusion de part et d'autre, de cadres, de responsables et même de présidents de cette formation politique. Nous reviendrons de long en large sur cette crise qui secoue le PCRN avec notamment responsable de cette formation politique dans le débat de Canal Presse de ce dimanche. Voilà donc le menu, on prend cette transition et je vous présente les invités au débat de Canal Presse de ce dimanche. À tout de suite. Premier invité au débat de Canal Presse ce dimanche, je vais commencer par ma gauche avec Eric Yombi. Bonjour, bienvenue à Canal Presse, Eric. Bonjour, bonjour pour votre invitation. Merci de m'avoir invité, pardon. Et je dis bonjour également aux copanélistes et à vos millions de téléspectateurs. Merci d'être venu. Vous êtes écrivain, panafricaniste, vous vous présentez ainsi, également expert des relations internationales, écrivain, je le disais tout à l'heure, avec cet ouvrage, vous écrivez beaucoup sur la postcolonie avec ce dernier ouvrage. Retour postcolonial, s'affranchit de la rentabilité coloniale. C'est un ouvrage que vous dédiez à l'Afrique de l'Ouest, au Mali notamment, avec en image, on peut voir la photo d'Assimi Goïta. Oui, retournement postcolonial, tel est le titre de mon huitième et actuel ouvrage, justement pour parler de cette transformation profonde qui ont cours en Afrique noire francophone et bien entendu des transformations qui ont commencé du côté de l'Afrique de l'Ouest avec le président Assimi comme précurseur. Donc après mon premier voyage de recherche il y a 3 ans, j'ai senti qu'il y avait déjà des dynamiques de transformation qui étaient en cours et il était question, n'est-ce pas, de les caractériser, de les systématiser et bien entendu d'en faire un livre pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on peut tirer de là, est-ce que ce sont des dynamiques qui peuvent durer, est-ce que ça peut s'installer, ça s'installe de manière spontanée, est-ce que l'Afrique centrale peut être concernée. Donc c'est toute une réflexion contenue dans cet ouvrage. Nous convoquerons votre expertise tout à l'heure bien sûr sur le sujet du Sénégal. Deuxième invité au débat de Canal Presse, Banda Kani, bonjour, bienvenue à Canal Presse dimanche. Merci d'avoir pensé à ma modeste personne sur votre prestigieux plateau. Merci d'être venu. Vous êtes homme politique camerounais et vous vous présentez aussi comme panafricaniste. Je ne me présente pas. Oui. Panafricaniste. Merci d'être venu à Canal Presse aujourd'hui. Armand Okol, bonjour et bienvenue. Michael, bonjour. Bonjour à tous les autres membres du panel. Je découvre avec beaucoup de plaisir et même de satisfaction vos nouvelles installations ici à Douala. C'est futuriste. Ça montre en vérité la vision que vous voulez donner à cette corporation. Et je voudrais profiter de ces mots agréables à votre endroit pour vous prier de bien vouloir accélérer les travaux à Yaoundé également pour qu'on n'ait plus besoin de nous taper 6 heures de temps pour partir de Yaoundé pour Douala. Évidemment, vous pourriez me dire, j'aurais pu commettre un autre communicant résident ici, mais il me souvient que dans votre invitation, vous avez tenu à ce que je vienne personnellement là. Et donc, vous savez, on nous a vendu le rêve avec une affaire de pénétrant Est. Vous vous souvenez, il y a 14 ans de cela, je venais travailler ici à Douala. J'officiais notamment à LTM Télévision. Et en 2010, quand j'arrivais, on parlait déjà de pénétrante Est. Vous vous rendez compte que 14 ans après, cette chimère continue à créer tous les malheurs que cela peut engendrer avec son lot de conséquences. Donc, de grâce que Yaoundé puisse avoir un studio aussi futuriste que celui-ci. C'est entendu, Armand, et je peux vous rassurer que vous ne serez pas déçu. Hein. La fin des travaux, c'est pour très bientôt. Et vous me permettrez peut-être de souhaiter une agréable Pâques aux chrétiens et un bon Ramadan aux musulmans. Malheureusement, chez moi à l'Est, cette célébration a
une saveur très triste. Vous avez certainement appris, vous également, qu'un gardien de la paix a trouvé la mort aux premières heures de la matinée parce que pour arrondir ses fins de mois, il était obligé d'aller dans les mines d'or. Malheureusement, là-bas, alors qu'il allait chercher fortune, il a été enseveli. Et cela montre en fait le degré de délitement de notre société parce que, voyez-vous, on se limite souvent au cliché de certains hauts gradés qui roulent carrosse, je dis bien certains. Et on a malheureusement tendance à oublier que les moins gradés, les soldats du rang et autres misèrent terriblement pour s'en convaincre. Vous savez, le nombre extravagant d'entre eux, obligés parfois de faire la moto, de faire le taxi, d'être vigile ici et là. Sincèrement, notre pays mérite une réflexion profonde et des changements qui ne peuvent plus attendre pour éviter des cas et des drames comme cela. Et nous avons une pensée pour sa famille, naturellement, et pour la famille de nombreuses autres, des familles, de nombreuses autres victimes, hein, des personnes qui perdent la vie au quotidien. Je crois que c'est devenu quelque chose de pratiquement banal dans ces mines d'or à l'est du pays, d'autres localités. Une pensée pour la famille de ce brave homme et le quatrième invité. Débat de Canal Presse dimanche. Yves, bienvenue à Bama. Bonjour, bienvenue. Bonjour Michael, bonjour aux copanélistes. Une fois de plus, je suis heureux de porter la voix de mon parti sur votre plateau. Je voudrais commencer en rectifiant quelque chose. En réalité, la pénétrante n'est pas une chimère. La preuve, vous l'avez vu, vous êtes passé par là. Les travaux se poursuivent. Et bientôt, ils vont s'achever. Je suis heureux que vous lui ayez dit. Je voudrais également dire que je compatis à cette situation triste que M. Okol annonce du côté de l'Est. Mais en passant, je précise que ce sont des incidents qui, malheureusement, dans ce genre de boulot, hein, de métier, sont fréquents. Bon, vouloir nous faire croire que le Cameroun est un mouroir où au quotidien les uns les autres tombent parce que c'est l'idée qu'on veut laisser passer, je pense que ça participe de la politique politicienne et c'est un peu indécent de mon point de vue qu'on essaye de profiter des situations malheureuses pour jeter dans l'opinion des idées aussi macabres. On a entendu, Yves, vous l'avez dit, hein, vous êtes communicant du Rassemblement des du peuple camerounais sur ce plateau. Ah, moi, on va pas en faire un débat. On va pas en faire un débat. On va pas en faire un débat. 10 secondes seulement. Il voudra rebondir tout à l'heure. Non, peut-être. Non, 10 secondes seulement pour noter que si la pénétrante est qui ne fait pas 10 km nécessite qu'on y mette 14 ans, ça montre effectivement que les choses avancent. Et je pensais en vérité que vous l'avez présenté comme un communicant d'un parti politique. Et tout à l'heure, je ne parlais pas d'un parti politique, je parlais d'un pouvoir. Vous comprenez donc la confusion permanente qui est faite et ce qui confirme l'idée selon laquelle, en fait, ce parti est un parti, en vérité, qui confond en réalité le rôle d'une formation politique et le rôle de pouvoir. Évidemment, ils sont nombreux au pouvoir et, logiquement, non. D'aucuns estiment que les affres, les malheurs des Camerounais sont d'ailleurs et surtout le fait de ceux qui sont au pouvoir. Vous avez vous-même noté. Merci. Je l'ai fait. Merci. Merci. Merci, messieurs. Attendons d'entrer dans le débat tout à l'heure. Et le débat, le premier sujet sur le Sénégal, c'est juste après cette autre transition que je vous propose. A tout de suite. Après des mois d'une crise politique marquée par des violentes manifestations et l'incarcération d'opposants, les Sénégalais ont choisi leur président le 24 mars dernier, âgé d'à peine 44 ans, le président élu. Sirou Diouma Faye, sorti de prison 10 jours avant le scrutin, est arrivé largement en tête, balayant Amadou Ba, le dauphin du président sortant Macky Sall. Encore une fois, le pays de la Teranga donne une leçon de démocratie à l'Afrique et au monde entier. Et je veux poser la question en premier à Eric Yombi. Comment avez-vous vécu ces moments? Est-ce que vous pensiez que les choses se passeraient aussi facilement, Eric?
Bon, je pense que sur un média qui n'était pas le vôtre, lorsque nous évoquions, n'est-ce pas, l'une des raisons du report de cette présidentielle par Macky Sall, ma réflexion, la réflexion que j'avais proposée était bien évidemment qu'il y avait une volonté de vouloir reporter cette élection, parce que certainement le président Macky Sall avait les éléments montrant que son candidat, ou alors Amadou Ba, ne gagnerait pas les élections. Lesquelles informations tendait bien entendu à faire de Bassirou Diomaye Faye gagnant de cette élection au premier tour. Mais c'est surtout la satisfaction de savoir qu'il y a une mécanique citoyenne qui s'est mise en place et aujourd'hui, c'est la victoire de cette société citoyenne. On a affaire à des Sénégalais qui s'impliquent dans leur vie, qui contribuent pour la marche de la démocratie, et c'est bien entendu la victoire de ce peuple qui s'est donné corps et âme pour que, bien entendu, la démocratie puisse vaincre. Mais je n'ai pas été surpris, mais ça m'inspire aussi le fait que nous avons affaire à un PASTEF qui est un véritable parti politique, avec un véritable projet de société qui a su comprendre non seulement les populations, mais avoir une bonne lecture de l'environnement politique et géopolitique. Je m'explique. Vous voyez, j'étais à Kayar il y a 3 ans, en décembre 2021, lorsque le convoi de l'armée française partant de la Côte d'Ivoire pour le Niger avait été bloqué. Lorsque vous discutez avec cette jeunesse, qu'est-ce qu'ils vous disent ou qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Nous voulons autre chose. Nous avons envie de savoir ce qu'il y a dans ce convoi. Nous voulons savoir pourquoi ces personnes passent par chez nous. C'est-à-dire qu'il y a un vent aujourd'hui en Afrique noire francophone au moins qui dit le rapport que ces différents pays ont avec l'extérieur, notamment la France, il faut qu'on voit de plus en plus clair par rapport à cela. Quel est le contenu de ces rapports? Est-ce qu'il faut modifier quelque chose? Si tant il est vrai que le bilan des indépendances n'est pas un bon bilan. Donc, je pense que c'est la victoire de ce peuple sénégal au sens où on a fait un PASTEF qui a su écouter, comprendre, avoir une lecture et traduire justement les aspirations de cette jeune population ou alors de ce pays qui veut autre chose, c'est-à-dire le changement de paradigme. C'est bien entendu une victoire de la jeunesse et du Sénégal, tout simplement parce que nous avons affaire à un peuple qui a su rester, n'est-ce pas, en harmonie avec lui-même, qui a su défendre ses acquis démocratiques. Et ces acquis démocratiques ne commencent pas avec Macky Sall, mais bien au-delà. C'est-à-dire dire, nous avons un vécu, nous avons un héritage. Que faisons-nous pour le consolider? On aurait pu avoir aussi un Macky Sall jusqu'au boutiste qui s'est dit, qui aurait pu se dire, mais à partir du moment où j'ai proposé, ça a été refusé, mais je m'entête. Mais il s'est rebiffé, heureusement, mais parce que la population a été citoyenne. Elle a décidé, bien entendu, de sauvegarder ses acquis, mais surtout aussi avec un pouvoir qui a dit « j'ai aussi quelque chose à défendre, j'ai un bilan à défendre, j'ai un pays à préserver ». Donc voilà ce que m'inspire le Sénégal d'aujourd'hui avec la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Mandakani, comment analysez-vous l'attitude, je crois qu'il a commencé à dire tout à l'heure, du peuple sénégalais, lui qui a été mis à rude épreuve quelques semaines ou mois avant cette élection, mais qui s'est levé comme un seul homme pour tenir tête à Macky Sall et son projet de renvoyer les élections. J'analyse d'un point de vue panafricaniste, authentiquement panafricaniste, ce qui me conduit à distinguer les dynamiques de démocratisation néocoloniale et les dynamiques de démocratisation que nous qualifions de panafricanistes et de révolutionnaires. L'histoire du Sénégal nous l'enseigne que le Sénégal a structuré une démocratie néocoloniale commandée tout droit de Paris, par Paris, l'a structurée qui a permis toute une succession d'alternances à la tête du pays. Je crois qu'on est au 5e président de l'alternance. Tout à fait. Et à partir de là, on nous a positionné le Sénégal comme étant la vitrine de la démocratie en Afrique. Bon, ça arrange un certain courant, ça arrange certaines dynamiques en Afrique qui mangent dans cette démocratisation néocoloniale, mais nous les panafricains, nous sommes très prudents, très distants à l'égard du modèle sénégalais. Alors, si on prend pour référence le modèle sénégalais, évidemment il faut saluer l'alternance, ça c'est dans la tradition du Sénégal. La question de savoir, ça fait déjà combien d'alternances? Je voulais vous rappeler que l'euphorie ou bien les euphories que nous observons, on l'a observé à la venue de Diouf.
qui en passant, ça le semblait quasiment une succession dynastique. Beaucoup de gens ne connaissent même pas les relations quasi filiales qu'il y avait entre Diouf et Senghor. Je dis filiale, hein, et Senghor. Après, c'est Wad. Vous connaissez tout l'espoir que Wad a soulevé en Afrique à l'époque. Grand opposant, etc. Mais ceux qui l'ont porté ont marché contre lui à l'époque pour leader Macky Sall, qui était au cœur de dynamique citoyenne, qui est Yombi a systématiquement évoqué avec beaucoup de pertinence, balai citoyen, etc. Les mêmes gens, après 10 ans, sont devant pour dire que Macky Sall doit partir. Et sont dans l'euphorie aujourd'hui de la victoire, n'est-ce pas, du président Bassirou, et jusqu'en fait du Sénégal le modèle à présenter aux Africains. Non, il faut distinguer deux choses dans cette affaire. Il faut distinguer les dynamiques de démocratie néocoloniale et toutes les dynamiques de citoyenneté constituées autour, y compris financées par l'étranger. Ça veut dire les guichets dans le monde aujourd'hui qui financent la citoyenneté en Afrique. Et il faut distinguer une dynamique de citoyenneté endogène et authentique. Et voir dans quel sens, pour le cas du PASTEF, la part d'authenticité et d'endogénéité qu'il y a dans la structuration de la citoyenneté et de tout le mouvement social qui a porté son pouvoir, et la part d'instrumentalisation de l'étranger. À ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je ne veux pas ouvrir la polémique pour l'instant. Mais je dis que c'est une très bonne chose dans le cadre de la politique interne au Sénégal. Mais quand on regarde le rôle que joue le Sénégal dans la géopolitique africaine, dans la géopolitique de la sous-région, je pense que tout à l'heure on va revenir sur les questions de la rupture ou pas, etc. Oui, quand on regarde la capacité qu'aura cette alternance, on regarde les autres alternances à bousculer le système sénégalais, c'est-à-dire qui est constitué des intérêts de la France, de l'Occident, qui sont bien structurés au Sénégal, historiquement, des intérêts des grandes confréries, qui sont économiques et très importants, économiques, moraux, religieux, des intérêts des grandes familles qui tiennent l'économie du Sénégal, les intérêts de l'establishment politique et administratif qui est encore là et que Doumé va être obligé de gérer. Il faut donc être capable d'articuler cette alternance avec ces groupes d'intérêts conservateurs et voir ce que ça va produire. Donc je pense que c'est pour ça que nous sommes très prudents. Oui. Nous détachons du phénomène de mode qu'on veut structurer autour de cette dynamique, tout en reconnaissant la portée, n'est-ce pas, de la victoire du président Bassirou pour les Sénégalais et pour tous ceux qui en Afrique rêvent d'un renouveau de la scène politique et des dirigeants politiques. Amar Okol, que dire du rôle des partis politiques de l'opposition et même de la société civile, hein, qui a joué un rôle important dans le dénouement que l'on connaît aujourd'hui, les résultats que l'on connaît aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, le peuple sénégalais d'abord, mais aussi les partis politiques de l'opposition qui, au final, se sont mis ensemble pour quelques-uns d'entre eux, la société civile mobilisée autour de ces formations politiques-là pour qu'on connaisse le résultat d'aujourd'hui. Quelle lecture vous suggère? Écoutez, tout cela se réduit et se traduit en une entité qui s'appelle le peuple, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques ou même les acteurs. Mais permettez-moi de dire peut-être que, vous savez, il y a une époque assez récente, j'étais un ami très proche du président Badakani, peut-être que notre amitié prendra des coups sur ce plateau, parce que moi je me méfie de ces panafricanistes camerounais en l'occurrence, qui sont promptes et qui sont ingénieux à parler de ce qui se passe ailleurs, un peu comme si le panafricanisme c'était le panafricanisme d'autres États, mais qui sont parfois moins enclins à parler du panafricanisme de chez eux. On a le sentiment qu'il y a un panafricanisme à deux niveaux et qui intègre deux lectures. Écoutez, moi je dis trois principales leçons de ce qui vient de se passer au Sénégal. La première d'entre elles, et concernant le peuple, c'est que lorsque le peuple se lève, eh bien, c'est le triomphe de l'abus du pouvoir. Lorsque le peuple se lève, c'est le triomphe contre toutes sortes de repression de l'État. Et lorsque le peuple se lève, c'est surtout le triomphe qui fait barrage à toutes sortes de perpétuité et même de perpétuation du pouvoir. La deuxième leçon que je tire de ce qui vient de se passer au Sénégal, c'est naturellement que lorsque la population d'un pays se rajeunit, lorsque la masse électorale de ce pays se rajeunit,
Et lorsque ce rajeunissement de la masse électorale jeune accepte et décide de participer au jeu électoral, notamment à l'expression des suffrages, naturellement, le choix que peut opérer cette classe politique jeune et cette masse électorale ne peut reposer en vérité que sur des acteurs politiques jeunes. Parce que, écoutez, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et donc, on a vu au Sénégal, en vérité, que les jeunes, pour la plupart, ne se reconnaissaient plus en la politique proposée par les acteurs du pouvoir, mais étaient séduits plutôt par un autre discours, celui des jeunes. Pour quelles raisons? Pas seulement le seul fait que ces acteurs étaient jeunes, mais c'était des jeunes qui venaient proposer un certain espoir. Et c'est en cela. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte de plus en plus, en observant partout là où les vents de changement sont passés, que ceux qui sont aujourd'hui en droit de porter véritablement des politiques, c'est des acteurs jeunes. Pourquoi des acteurs jeunes? Évidemment, sans exclure ceux de la classe au-dessus de celle-là. Parce que eux, ils viennent, proposent un discours de rupture. Et le président Banakani parlait tout à l'heure de certaines contingences qu'il y a autour. Et donc, ces projets politiques de rupture, c'est-à-dire du non à l'aliénation, à l'esclavagisation, à l'extraversion, ainsi de suite, sont des discours et des politiques en lesquels les jeunes, pour la plupart, se reconnaissent. Et c'est la raison pour laquelle le président Cabral Libi propose, j'ai eu la chance de lire cet ouvrage qui va paraître bientôt, il va dans une vision de rupture, parce que en vérité, quand vous observez la manière dont la plupart de nos États sont gouvernés aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il y a des deals avec que ce soit le colon et bien d'autres personnes. Or, aujourd'hui, plus que jamais, il est important de penser collectif. Il faut penser à l'avenir. Or, aujourd'hui, lorsque vous avez vu ce que proposait le président Macky Sall, il n'était plus dans la vision des aspirations de ce que le peuple sénégalais avait notamment conclu avec lui au moment où il lui donnait le pouvoir. Donc, pour me résumer, en vérité, chaque fois que les tenants du pouvoir croient utiliser la malice, croient utiliser la ruse, croient utiliser les moyens en leur possession pour s'aliéner la volonté populaire et le sentiment populaire, où se trouve la véritable souveraineté, c'est-à-dire le peuple, eh bien, on ne peut aboutir qu'à ce qui vient de se passer au Sénégal et qui n'est pas certainement prêt de s'arrêter. Et un élément qui n'est pas passé inaperçu, Yves Bama, personne mis en cause la victoire dès le premier tour du candidat Diomaye Faye. C'est important de le relever, non, dans une Afrique où on a été habitué à autre chose ces dernières années. Oui, effectivement, c'est très important de le relever. Ça montre quelque part la maturité, la classe, l'élégance des acteurs politiques sénégalais. C'est-à-dire que si vous essayez de faire une analogie avec le chenou, vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement le jour et la nuit. C'est-à-dire que vous avez des partis qui, conscients de leur petitesse et de leur petit positionnement sur l'échiquier national, viennent quand même revendiquer des victoires nationales. C'est-à-dire qu'un parti sait qu'il est régional. Au lendemain d'une élection, il soit et vous dit « Ah, j'ai gagné ». Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une telle dose de mauvaise foi dans notre, sur notre scène politique que c'est très difficile qu'on ait des exemples comme ceux qui viennent du Sénégal. Je ne suis pas sûr que Okol sera d'accord avec vous. Il ne peut pas être d'accord avec moi. Je ne demande pas qu'il soit d'accord avec moi. Il ne le sera pas. Où les observateurs internationaux émettent des réserves. Oui. Et bien d'autres, il y a une raison quand même que des gens. Oui. Il y aura toujours ça. Que les gens contestent les résultats des élections. Il y aura toujours ça. Au-delà de revendiquer d'avoir gagné, au moins contester les résultats des élections. Il y aura toujours ça. Si on va même dans le sens de contester
contester les élections. Mmh. Je pourrais vous donner des exemples qui vont vous pousser, faire regretter de m'avoir dit qu'on conteste les élections au Cameroun. Je pourrais vous parler des États-Unis, je pourrais vous parler du Brésil, mais je n'en parle pas. Il y aura toujours ça. Mmh. En fait, quand on m'a dit élection au Sénégal, j'ai vu ce qui s'est passé. Je me suis dit responsabilité, j'ai dit altruisme. J'ai dit authenticité, je m'arrête d'abord au niveau de ces trois éléments. Responsabilité, altruisme, authenticité. Responsabilité à quel niveau? Le discours tenu par les opposants sénégalais que tout le monde magnifie ici. C'est-à-dire que voilà des gens qui ont réussi à tenir à la population sénégalaise un discours fédérateur. Essayons de faire un parallèle avec la dernière élection présidentielle de chez nous. Vous allez vous rendre compte que tous les opposants de chez nous propose des choses qui divisent profondément les Camerounais. Je dis bien profondément. Voyez. Donc, première chose, responsabilité. Deuxième chose, leçon de l'altruisme. Regardez le comportement d'Ousmane Sonko. Voilà un leader qui sait que j'ai été mis en difficulté par le pouvoir parce que, apparemment, c'est seulement ici qu'un certain nombre de choses arrivent. Le pouvoir veut l'éliminer, il le constate. Il a été condamné. Au lieu de passer le temps à crier. Est-ce que pour autant il faut magnifier le fait on, que. On ne magnifie pas ça. On ne magnifie pas ça. Je suis en train de décrire. Je vais vous montrer un comportement, Michael. Je vais vous montrer un comportement. C'est-à-dire que voilà un leader qui sait que j'ai été neutralisé. Je ne peux pas. Au lieu de s'enfoncer dans les revendications, le jusqu'au boutisme que je pourrais qualifier de Camerounais, notamment dans notre position, le monsieur s'éclipse. Immédiatement, il fait sortir du chapeau quelqu'un d'autre et le second vient, il gagne. Michael, sur le champ politique camerounais, est-ce que vous pouvez me citer un leader capable d'effacement pour mettre son second en avant? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est chacun qui vous dit, la prophétie a annoncé que je suis le troisième président, c'est mon destin d'être président, je dois faire ci ou ça. Et au nom de cette prophétie-là, au nom de cette vision, on ne veut rien entendre, on ne laisse émerger personne d'autre. C'est-à-dire que on a des messies à la tête des partis politiques, je suis et après moi, personne. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit la leçon d'altruisme qui vient du Sénégal, il ne faudrait pas qu'on la néglige. Les gens vont dire oui, j'en parle parce que je suis du RDPC, c'est vrai. Mais j'en parle avec un pincement au cœur. Pourquoi, Michael? Parce que dans une démocratie, je vous assure, une opposition forte participe à la bonne gouvernance. Une opposition forte aide le pouvoir à bien gouverner. Parce que quand vous savez que vous avez des gens qui peuvent vous arrêter en face, les gens qui peuvent proposer des choses, des alternatives crédibles, je vous assure, votre marge d'erreur baisse. Or, qu'est-ce qu'on voit chez nous? On a des gens qui ne peuvent pas proposer des choses crédibles, qui ne peuvent faire que diviser, mais qui sont prêts à applaudir des bons exemples qui viennent d'ailleurs. Maintenant, je prends le dernier élément pour ce premier jet, l'authenticité. Au Sénégal, vous n'avez entendu personne vous dire « Je suis le Macron sénégalais, je suis le success massa, je suis le tel, je suis le tel ». Vous n'avez pas entendu ça. Les gens viennent parler à leur peuple. D'accord? Ils parlent à leur peuple, ils le regardent dans les yeux, ils savent que voici ces problèmes, voilà le discours que je vais tenir. Vous n'avez entendu personne avant vous dire « Vraiment, je vais écrire ». À toutes les chancelleries du monde. Je vais demander une audience au Quai d'Orsay. On n'a présenté personne comme l'homme des Américains, l'homme des Français, l'homme de tel. C'est ce que nous vivons chez nous. Je suis désolé de constater que au moment où en Afrique de l'Ouest, on réussit à élire les jeunes de 40 ans, au niveau de l'Afrique centrale, on a encore des vieux politiciens expérimentés qui ont mis dans la tête que pour gagner une élection au Cameroun, il faut être adoubé par la France, il faut être adoubé par tel, il faut singer tel, il faut singer tel autre. Non. On a beaucoup de leçons à tirer de ce qui s'est passé au Sénégal et je suis d'accord avec ce que le président Bandakani disait tout à l'heure, on peut s'en méfier. Mais on a beaucoup de leçons à tirer et je voulais reprendre un élément, à mon compte, un élément qui est sorti du propos d'Éric. Éric a dit, parce que certains ont fait de la jeunesse un projet de société au Cameroun et quand vous avez suivi M. Okol, vous avez... C'est-à-dire qu'on vous dit, non, votez-moi, je suis jeune. Les jeunes ont, il n'y a pas, le jeunisme n'est pas un projet de société. Le jeunisme n'est pas un projet politique. Heureusement, Éric a dit tout à l'heure, j'ai noté, il a dit véritable parti, véritable projet. Vous comprenez? Véritable parti, véritable projet. Le projet est véritable comment? Je laisse le parti, parce qu'on peut faire un débat là-dessus. Le projet est véritable comment? Lorsqu'il réussit à susciter l'assentiment de cette jeunesse. Lorsqu'il réussit à faire que cette jeunesse soit dans les rues. Au moment où Sonko était en prison, comme on a vu. D'accord? Et vous avez dit, contre vents et marées, parce que vous avez annoncé les arrestations seulement, mais je voudrais vous dire qu'il y a eu des dizaines de morts. D'accord? Au moment où nous parlons, certains sont encore dans les geôles.
Mais ce peuple ne s'est pas découragé, simplement pourquoi? Parce qu'on lui a tenu un discours, le discours qu'il fallait tenir. On lui a dit des choses qui allaient dans le sens de ses intérêts. On n'est pas venu lui miroiter l'ailleurs et il a décidé de faire confiance à cette jeunesse. Éric Yombi, dans un paysage politique ouest-africain assombri quand même par des coups d'État militaires en Syrie, l'élection sénégalaise est une bonne surprise démocratique. J'aimerais d'abord dire quelque chose, hein, si vous permettez. Il parlait tout à l'heure du jeunisme, que ce n'est pas un projet politique. Et il a évoqué aussi le providentialisme, oui. Le caractère d'homme providentiel qui existe en Afrique. Le messianisme politique au Cameroun. Vous savez, c'est toujours bien de rappeler des évidences parce que votre émission a un caractère pédagogique. Ce qu'il faut rappeler, et c'est très important lorsque nous analysons l'Afrique noire francophone, c'est que le développement de l'Afrique noire francophone s'est arrêté avec la présence coloniale. Ça veut dire que ce que nous sommes aujourd'hui, en bonne partie, ce n'est pas notre être propre. On nous a inoculé une bonne partie de ce que nous ne sommes pas. Et pour faire en sorte que cette logique perdure, on a mis en notre sein la division. Et c'est très présent chez nous. Étant donné que ça a même encore été multiplié par X avec la lutte des libérations nationales, qui est un marqueur extrêmement important dans la trajectoire politique du Cameroun. De manière concrète, il est de plus en plus difficile, et ça se voit aujourd'hui, de voir des Camerounais ensemble. La multiplicité des partis politiques chez nous s'explique par le fait que nous nous regardons en chien de faïence. On a du mal à avoir une logique de rassemblement. On est plutôt porté vers la division. Il est difficile pour nous de mettre ensemble nos efforts. Peut-être que la religion catholique, sans tirer sur elle, n'est pas un élément qui nous aide à cause de la hiérarchisation catholique qui existe. Je fais référence à l'administration, à la hiérarchie catholique. Et je devrais peut-être dire ici que en 1955, lorsque l'UPC a été interdite, pendant la Pâque, il y a une lettre justement qui avait circulé au sein des églises disant que l'UPC était un mauvais parti politique et il ne fallait pas s'appuyer sur lui. Nous parlons du parti le plus influent du Cameroun. Et ce n'était pas, et c'était notamment dit par l'administration coloniale française qui attestait que lorsque ce parti était interdit, ce parti comptait plus de 400 comités de base. Voilà la réalité de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres enclins à la division. Nous nous regardons en chien de faïence, nous sommes dans un climat où il y a bien entendu, non pas l'entente, le rassemblement, mais bien entendu la division. Je voudrais aussi embrayer sur un élément extrêmement important. Lorsque nous réfléchissons sur l'Afrique noire francophone, attendons-nous à ce que les dynamiques d'avancement et d'émancipation qui existent aujourd'hui ne soient qu'au début. Nous avons eu affaire à des dinosaures qui ont caporalisé l'espace politique, qui ont émasculé les libertés individuelles et collectives. Et aujourd'hui, je me réjouis de savoir qu'il y a le PASTEF qui arrive et qui propose quelque chose d'autre. Je ne pense pas que le PASTEF arrive à un moment où avant il n'y avait rien du tout, non. Ça a été difficile. Aujourd'hui, avoir un président comme Bassirou Diomaye Faye dit « je suis le candidat de la rupture », mais ce n'est pas un petit mot. En Afrique noire francophone, je vous assure, ce n'est pas un petit mot. C'est un mot dur, il est même violent. Mais cette violence-là, si on la prend ainsi, c'est pourtant ce que veut cette population. La preuve, il a été élu avec ce pourcentage pour mener cette rupture et qui s'entend sur plusieurs plans. C'est une rupture au sens de l'administration, au sens de la lutte contre la corruption parce qu'il estime qu'il y a un establishment qui a profité, qui a eu avantages et privilèges et que ça doit cesser. C'est une rupture au sens institutionnel parce qu'il veut des pouvoirs de plus en plus importants pour le Premier ministre. C'est une rupture parce qu'il veut bien entendu une autre relation avec la France officielle. Je pèse mes mots, la France officielle, notamment avec la question du franc CFA. Donc, je me réjouis de savoir qu'il y a une jeunesse qui veut faire autrement, qui veut mettre en place un nouveau paradigme, mais ô combien ça a été difficile si on prend depuis les années d'indépendance jusqu'ici. Mais en réalité, c'est dans l'air du temps. Et c'est pourquoi je parlais du caractère de vase communicant ou de fluidité entre la, entre la population et bien entendu les partis politiques ou les différents leaders. On voit bien que lorsqu'il y a l'harmonie, les aspirations profondes sont portées, n'est-ce pas, par ces leaders qui représentent bien entendu ces populations. Pour revenir à ma question. Pour revenir à votre question, oui.
Vous savez, la question de la démocratie, ce n'est pas seulement une question culturelle, c'est une question de trajectoire. Lorsque vous me parlez de démocratie, ça pourrait me faire rire. Je prends à témoin la charte de Kouroukaoufouga, d'accord, de Soundiata, 1936. Dans la charte de Kouroukaoufouga, il y a bien entendu la question du genre. Mais la question du genre, aujourd'hui, abordée, ça fait combien d'années? Je vous parle de 1236 avec la question du genre. Mais aujourd'hui, je veux dire, nous sommes dans une affaire où ça fait environ 20 ans où on nous parle du genre, du genre, du genre. Et pourtant, ça a existé, bien entendu, depuis plus depuis tellement d'années. Et je dois même préciser, une fois de plus, votre émission a un caractère pédagogique. Les personnes qui étaient assises à la table du roi pour négocier l'achat de Kouroukaoufouga, il y avait des femmes. Ça veut dire que dans la trajectoire historique et politique de notre société, les femmes ont toujours une part présente. Donc lorsque vous parlez de démocratie, on pourrait se demander laquelle. Mais en même temps, la démocratie telle qu'on la voudrait, c'est un processus. On sème quelque chose au fil du temps, en fonction de nous et en fonction de ce que nous sommes, nous réussissons à définir cela. Mais je vous ai dit au début de mon propos, nous sommes une société d'Afrique noire francophone où on a arrêté notre développement, qui avait déjà une organisation sociale reconnue, une diplomatie connue, la preuve, les échanges entre Béhanzin et les représentants français autour du 19e siècle. On a arrêté ce développement à partir du moment où nous devons continuer. C'est en cela que le passé fait intéressant, de même que ces différents leaders de l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons mettre en place un développement, un pouvoir qui nous ressemble, qui soit nous-mêmes. Poser, mettre sur la table la question de la polygamie sans complexe. Rejeter notamment la question de l'homosexualité sans complexe. Parce que nous avons affaire à une jeune génération qui est compétente, qui est décomplexée par rapport à l'Occident et qui veut mettre en place autre chose, c'est-à-dire nous-mêmes en étant notre propre centre de gravité. Alors, Cole, jamais depuis l'indépendance en 1960, le pays n'avait connu une élection aussi tourmentée, une élection aussi troublée avec des semaines de tension et de chaos. Qu'est-ce que ça peut faire craindre pour la suite? Non, je viens à vous. Est-ce que ça peut faire craindre pour la suite à Maokol? Est-ce que la démocratie sénégalaise s'en sort fragilisée ou grandit? Absolument pas fragilisée, non. Mais nullement fragilisée. Au contraire, il renforcée plutôt. Mais non seulement renforcé, mais vous allez assister au fondement d'une nouvelle république au Sénégal. Écoutez, M. Yumbi, à la suite de moi, a parlé du facteur jeune. Est-ce pour autant que cela signifie que le facteur jeune est un projet politique? Va savoir. Mais écoutez, vous savez, certaines personnes, à force d'aller répéter ce qu'on leur dit d'aller répéter, se trouve souvent à la croisée des chemins et manque de dynamisme dans la construction de la pensée. Que s'est-il passé en vérité au Sénégal? Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est que, contrairement à ce que j'ai entendu ici tout à l'heure, le peuple sénégalais a confié son pouvoir à un homme il y a 10 ans. Et cet homme devait régner pendant 10 ans maximum, c'est-à-dire faire 5 ans, puis faire 5 ans. Quand il arrive au bout de son deuxième mandat, il commence à utiliser le pouvoir que lui a conféré le peuple pour essayer de torpiller et pour essayer d'éliminer un certain nombre de candidats. Et il se trouve, c'est pour ça que je vous dis que la démocratie sénégalaise ne peut pas prendre des coups dans ce qui s'est passé. Au contraire, avec la décision du Conseil constitutionnel d'aller à l'encontre d'une volonté égocentrique du président, c'est la preuve de ce que les institutions au Sénégal se sont renforcées et que désormais, ceux qui arrivent intègrent le fait que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si eux-mêmes arrivent et essaient de s'aliéner le pouvoir que lui a confié le peuple, alors il va subir les mêmes affres tout simplement. J'ai entendu quelqu'un donner l'impression ici qu'au Sénégal, il s'est agi d'un boulevard et que ceux qui vont diriger les rênes du Sénégal demain ont eu, j'ai envie de dire, un pénalty sans un gardien au goal. Mais il semble oublier que pas plus tard qu'il y a quelques jours, le PASTEF qui conduit la dynamique qui est arrivée au pouvoir a été dissous complètement. Mais il semble oublier qu'il a fallu 10 jours seulement
au futur président du Sénégal de construire sa candidature, évidemment amenée par les autres. Comme pour dire en vérité, on peut tromper tout le peuple une partie du temps, tout le peuple une partie du temps, mais jamais tout le peuple tout le temps. La volonté populaire, et je l'ai dit tout à l'heure, la volonté populaire est en vérité la baguette magique. Parce que quand la volonté populaire décide de s'exprimer, aucun obstacle ne peut s'ériger contre la volonté populaire. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui pensent que le Sénégal va se retrouver à la croisée des chemins qu'ils se trompent. Ceux qui sont au Sénégal aujourd'hui vous disent que quand ils étaient dans les rues, ceux qui ont vécu ce triomphe populaire au Sénégal, vous disent clairement que les Sénégalais étaient préparés à installer la nouvelle équipe dirigeante pour prendre le pouvoir sur une certaine durée. Parce que vous devinez bien ce qui va se passer. Il va se passer que le président qui vient d'être élu va faire un mandat, et ça va être un mandat de travail, mais ça va être surtout un mandat de campagne pour baliser le terrain à celui à qui on doit véritablement cette victoire, qui est Ousmane Sonko. Mais n'oubliez pas que les mêmes qui sont plébiscités aujourd'hui sont ceux qui ont subi les affres hier. Rappelez-vous des images de Sonko qui dit aux éléments de force de l'ordre et de sécurité qui viennent l'emprisonner chez lui, nous allons nous retrouver dans la rue. C'est-à-dire, ça me rappelle un certain pays où se tient cette émission, où des gens estiment que juste parce qu'ils sont au pouvoir, eh bien, ce pouvoir, ils l'auront ad vitam aeternam. Souvenez-vous encore du discours que tenait Ousmane Sonko à l'adresse des membres du Conseil constitutionnel, qui les appelait à prendre leurs responsabilités. Mais vous nous appelez à faire une analyse de la situation du Sénégal. Est-il possible de faire une analyse sérieuse du Sénégal sans faire ressortir l'aspect jeune, n'est-ce pas la dynamique jeune qui a porté Diomaye Faye au pouvoir? Est-ce qu'on peut s'aliéner? Est-ce que le dire signifie que être jeune c'est un projet de société? Est-ce que Ousmane Sonko n'a compté que sur l'électorat jeune? Il a compté sur l'électorat des adultes également qui, eux, comprennent qu'il s'agit à ce moment non pas de leur avenir à eux, mais de l'avenir également de leurs enfants. Qui comprennent que celui qui a voulu torpiller ne pensait plus à l'avenir du Sénégal, mais pensait à ses intérêts égoïstes. Conclusion donc, et pour répondre formellement à votre question, écoutez, ce qui vient de se passer au Sénégal, non seulement est dans le prolongement de ce qui se passe depuis 1960, voyez-vous, le cinquième président, alors que dans un certain pays, on en est qu'à deux présidents simplement, tant que les gens ne comprendront pas en vérité que c'est au peuple qu'appartient le pouvoir, tant que les gens ne sauront pas qu'en 10 jours, une véritable dynamique peut s'organiser, tant que les gens ne comprendront pas, parce que ici j'ai vu quelqu'un saluer les dynamiques de certains acteurs politiques, mais quelle est la question qu'on pose souvent aux acteurs politiques ici? Quelle est ton expérience? Qu'est-ce que tu as géré avant? Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que vous savez que l'actuel président du Sénégal n'avait jamais eu un mandat électif avant? Le voilà qui va être le président de la République d'un pays qui s'est inscrit depuis dans la lignée des pays qui ont une vision et qui décident d'avancer. Bandakani, on a quand même eu le sentiment à un moment donné que la présidentielle s'était transformée en un véritable référendum pour ou contre Macky Sall. Pour contre Macky Sall, justement, qui incarnait la politique libérale et même la politique pro-occidentale, vous l'avez dit tout à l'heure. À un moment donné, c'est un peu ceci que Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye ont porté au sein de l'opinion. C'est vous poser la question de savoir qu'est-ce qui a pu séduire le peuple sénégalais en ces hommes que Ahmad Okol et Eric Yombi présentent comme de jeunes, de véritables jeunes qui ont. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne vais pas m'enfermer dans une espèce d'anecdotisme démocratique qu'on veut imposer comme grille d'analyse de la situation au Sénégal. Je me démarque de ça. Et c'est une constance de ma trajectoire politique, de mon engagement depuis des années. Je me démarque de ça. Je suis désolé. Moi, je ne fais pas les phénomènes de mode. Nous construisons une dynamique de fond. Ça prend le temps que ça prendra.
Même après nous, ça peut aboutir. Mmh. Nous ne sommes pas dans des langues, des séquences électoralistes. Nous ne sommes pas dans ça. Je respecte ceux qui sont dans ça. Donc, vous me demandez, pour ne pas me demander de votre question, parce que c'est vous le chef ici, qu'est-ce qui a séduit ? Mais d'abord, la base du mouvement PASTEF, et Eric l'a dit tout à l'heure, je crois que la pertinence des propos d'Eric doit nous amener à tirer des conséquences logiques par rapport à ce qu'il a dit. Le mouvement social, c'est comme ça que nous on appelle ça dans d'autres jargons, le mouvement social ou sociopolitique qui s'est bâti autour du PASTEF, c'est un mouvement qui est basé d'abord sur la frustration, les mécontentements du peuple, parce que ses conditions de vie se détériorent. D'abord ça. Les jeunes qui suivent Sonko, qui le suivent, c'est parce qu'ils ont été déçus par l'incapacité de l'alternance Macky Sall et des autres à se traduire dans l'amélioration concrète de leurs conditions de vie. Je ne parle même pas des questions de dignité qui sont venues après. C'est ça la base du mouvement PASTEF. Nous l'avons étudié ça. J'ai des amis dans le PASTEF avec qui je discute constamment. Donc on a étudié ça. Donc ce qui a séduit cette jeunesse-là, c'est qu'il y a eu en face quelqu'un qui a réussi à incarner le mouvement. On parle de l'incarnation d'un mouvement, à incarner un mouvement. Mais il y en a qui croient que un mouvement, c'est quelqu'un d'abord qui se met devant, on dit que bon, je suis tel, suivez-moi parce que je suis jeune ou bien je suis vieux. Non. Il y a un mouvement de fond qui est construit autour d'articulations concrètes, avec des exigences logistiques, organisationnelles. D'ailleurs, pour ce qu'on a vu, d'abord, il y a toute une toile sur numérique que les gens ne voient pas. Mais c'est époustouflant. Il y a des nœuds, des ponts à bâtir entre les différents strates même de la jeunesse. Parce que quand on dit la jeunesse, non, il y a les jeunesses. Il y a des ponts, il y a des strates à bâtir entre ces différents segments du mouvement. Il y a ce mouvement-là. Il y a la question du financement. Il y a tout un ensemble d'articulations qui ont construit, n'est-ce pas, le phénomène PASTEF et celui qui l'a incarné. Il a réussi à l'incarner parce qu'il est courageux physiquement, il faut le dire aussi. Il est courageux physiquement et il a fait preuve d'une espèce d'abnégation dans le contexte qui l'a amené, n'est-ce pas, à remplir les conditions de l'incarnation du mouvement. Quand on a dit ça, c'est une chose. Être chose est de présenter ça en modèle universel africain. C'est ça, là, moi, je m'entends parler avec les gens. Ce sont les faits, c'est la réalité. On ne peut pas nier la réalité. C'est un fait sénégalais. Voilà. Non. Parlons bien du Sénégal. C'est la nuance entre moi et vous. C'est un fait sénégalais que je ne conteste pas. Oui. Mais je dis déjà, à vouloir faire un modèle universel en Afrique, il faut que ceux qui prennent ce modèle recréent les mêmes conditions localement. Vous voyez très bien qu'ils ne font pas ce travail. Ils ne veulent même pas le faire. Parce qu'un mouvement comme celui de PASTEF suppose un mouvement social d'abord. Il faut mettre en mouvement des classes sociales qui réclament le changement. Et les mettre en mouvement suppose du leadership principal, le leadership intermédiaire, le leadership de base qu'il faut construire. C'est ça le PASTEF. D'abord, c'est un ensemble de partis, hein. Ce n'est pas un parti qui ont fusionné. C'est une coalition. Président, oui, Eric. Tout le respect que je te dois et le respect de tous ceux qui sont sur le panel. Le président est en train de parler de la chose la plus fondamentale dans le changement au Sénégal et Afrique noire francophone, la question de la citoyenneté. C'est de ça qu'il parle. Et il est en train de préciser qu'au Cameroun, ce n'est pas évident parce que les dynamiques de construction de cette citoyenneté ne sont pas les mêmes. Merci. Je crois que je parle à un chercheur qui fait du travail intellectuel que je connais, j'admire. On peut se comprendre très facilement. Je dis ceci. Donc c'est ça le PASTEF. Alors, moi, je dis, bon, si vous voulez importer le PASTEF chez vous, mais essayez de convertir localement les structures fondamentales qui ont fait le PASTEF. Moi, je vous dis, vous êtes l'observateur averti, monsieur le journaliste, et tout, ce travail n'est pas fait. Mais on est plus dans le bricolage, on pense qu'il suffit de récupérer un modèle et le réaliser. C'est pour ça que moi, il ne me dérange pas. Les gens sont libres de vendre le génisme, le facteur jeune comme auquel le fait. C'est son droit le plus absolu, j'admets ça. Je laisse souhaite bonne chance. Mais ce n'est pas l'effet jeune qui a fait le PASTEF. C'est ce qu'ils sont en train de vous raconter là. Et voilà pourquoi au départ, tout à l'heure, quand Eric a parlé, j'ai bien distingué les dynamiques de construction de la citoyenneté en Afrique francophone, dans le sens où lui parle. Il y a des dynamiques endogènes, il y a des dynamiques, c'est-à-dire prêtes à porter. Le prêt-à-porter, c'est la citoyenneté qui est financée par les guichets occidentaux, ONG, machin et consorts, et qui font les révolutions de couleur. Si c'est de ça qu'il s'agit, nous combattons ça.
Mais les dynamiques de construction citoyenne endogène, le Cameroun en a eu l'expérience hein, en 90, en 2008. Même avant, il vous a parlé de l'UPC qui avant d'être un parti politique est d'abord un mouvement citoyen à l'époque qui revendique l'indépendance et la décolonisation. Donc, vraiment, il ne faut pas qu'on fasse des amalgames. Deuxième truc que je vais dire, permettez-moi d'insister parce que j'ai l'impression qu'on m'a privé un peu d'un temps de parole. J'ai l'impression. Non, c'est une impression. Voilà. C'est une impression. Tout c'est vous le patron ici. Ouais. Vous êtes dans votre temps. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais quelques secondes justement. Je vous ai dit, donc je suis en train d'expliquer qu'on parle de rupture. Oui, il y a rupture au Sénégal, ça c'est évident. Mais il y a rupture contre le marxisme, par rapport au marxisme. Mais est-ce qu'il y a rupture par rapport au système sénégalais? Qui, lui, il est vieux. Si je prends une séquence, une référence historique arbitrairement, depuis l'arrivée de Senghor au pouvoir. Je vais aller jusqu'à, comment on l'appelle, le père sévère de la politique sénégalaise, Blaise Ndiaye. Je pense que ceux qui parlent de panafricanisme savent qui est Blaise Ndiaye, qui est le père sévère du système politique sénégalais. C'est le système-là que je suis en train de parler. Est-ce qu'on peut oser dire que par rapport au système sénégalais, il y a rupture? Non. Il faut parler vite. Non, il n'y a pas encore rupture. Il n'y a pas encore rupture. Il y a rupture par rapport à Macky Sall et ce qu'il voulait faire. Et nous avons soutenu Sonko par rapport à ça. Nous, qui parlons là, soutenu Sonko par rapport à ça. Mais il n'y a pas encore rupture dans le sens de rompre avec le système sénégalais. Il faut attendre. Et souvent, c'est là où les alternances échouent, chers amis. C'est là où ils échouent. Faites le bilan de toutes les alternances en Afrique depuis 30 ans. Pourquoi? Je vous rappelle que les pays qui se sont effondrés sur le fait du terrorisme géopolitique organisé par l'Occident étaient des pays où on a consacré l'alternance. Je ne vous rappelle pas ça. Bazoum a été élu démocratiquement. Bazoum, mais il a vendu son pays aux Américains. Maintenant, c'est connu maintenant. Au Burkina, il y a eu combien d'alternances? Au Mali, il y a eu combien d'alternances? Avant le coup d'état militaire que vous dénoncez aujourd'hui, combien d'alternances il y a eu? Donc nous sommes de ceux qui disons que nous allons veiller à ce que les alternances néocoloniales n'endorment pas les Africains et que l'alternance débouche sur des ruptures panafricanistes. C'est ce que nous disons. Je terminerai et là, je voudrais rassurer mon ami. Je pensais que M. Etienne n'avait pas beaucoup de temps de parole. Vous êtes un commodateur. Terminez rapidement, s'il vous plaît. Je demande au col, soyez élégant. Je le suis, vous le savez. Allez. Je ne parle pas quand vous parlez. Je ne juge pas votre temps de parole comme étant la volonté de vouloir modérer le plateau ou pas. Je voulais vous rassurer à moi que notre amitié ne prendra pas de coup. Merci beaucoup. Elle est très solide. Seulement. Merci. Non, vous en prie. Oui. Seulement parce qu'il il fait comme. Je connais. Pourquoi il a l'art d'attaquer? C'est un grand journaliste. Il a l'art de communiquer. Il dit que nous faisons le panafricanisme à double mesure. On parle de l'extérieur. Et on se tait à l'intérieur. Je sais qu'il est dans la politique, il pense que tous les coups sont permis. Je voulais demander de citer un seul combat qu'il y a eu au Cameroun où moi je n'ai pas participé. Un seul combat. Ça fait bientôt 35 ans que je suis en première ligne à Morocco. Et toi, tu le sais très bien. 35 ans. Il n'y a aucun combat au Cameroun que je n'ai pas participé. Si vous croyez que le combat du Cameroun, c'est de faire de l'électoralisme version jeune, et que quand on n'est pas dans ça, on ne combat pas, c'est une conception particulière de la politique. Il n'y a aucun combat qu'il y a eu au Cameroun qui ne porte pas ma modeste griffe depuis très longtemps. Et maintenant, depuis 15 ans, je porte le panafricanisme au niveau continental avec les résultats que tout le monde voit. Merci, Bamakali. Amaokola a commencé à l'évoquer tout à l'heure, hein, la question de l'expérience. Yves Abama, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui estiment que l'on vient de confier le pays à deux hommes sans expérience dans la gestion des affaires publiques, même si l'un l'autre a été fonctionnaire des impôts? C'était un problème pour vous? Non, pour moi ce n'est pas un problème. Et je pense que on a des exemples, hein. On a de nombreux exemples dans l'histoire de personnes qui sont arrivées au pouvoir sans cette expérience et qui ne s'en sont pas mal tirées. Donc on ne peut pas faire ce procès-là. Je suis contre ceux qui pensent que les jeunes ne peuvent rien avoir parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Vous prenez un jeune qui a un projet, comme Eric l'a souligné, un jeune qui est structuré, qui est construit, qui propose des choses crédibles, vous lui donnez le pays, il s'en sort. Sauf qu'on vous rétorquera que ce que vous acceptez pour le Sénégal, vous le refusez. Voilà, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. En réalité, c'est paradoxal. En réalité, on ne le refuse pas pour le Cameroun. Michael, rien ne se donne. D'accord? Rien ne se donne, surtout pas sur la scène politique. Vous voyez? Je veux bien qu'on me dise oui.
vos RDPC, parce que je vois venir certains, pourquoi vous ne rajeunissez pas, il y a ci ou ça. On a, je suis de ceux qui pensent qu'il faut un rajeunissement général de la scène politique camerounaise. Mais entre vous, de vous et moi, est-ce que rajeunir signifie envoyer tous les vieux au quartier dans le parti qui se prévaut, qui fait de la jeunesse aujourd'hui son argument phare? Il y a trois bons responsables que je connais, trois personnes assez expérimentées. Je parle par exemple du professeur Gabriel, Charlie Gabriel Bock. Je parle de mon enseignante à l'université de Yaoundé 1, le professeur Tang. Je parle de quelqu'un comme Maître Nouga. Vous pensez que si le PCN arrive au pouvoir en 2025, ils vont mettre ces trois personnes à côté? Non. D'accord? Il faut faire avec les jeunes parce qu'effectivement, les jeunes impulsent de nouvelles dynamiques. Les jeunes sont plus vifs, ça permet d'aller, de réfléchir rapidement, ça avance plus rapidement. Mais il faut également faire avec ceux qui ont de l'expérience, on en a besoin. Voilà, quand j'ai fini l'audit, je reviens à un certain nombre de choses que j'ai entendues ici. Parce que les gens nous disent, on accepte ce qui se passe ailleurs et on refuse que certains ici soient appliqués. Je voudrais dire premièrement que, en réalité, le peuple ne se lève pas seul. Le peuple ne se lève pas seul. Il n'y aurait pas eu Sonko que les Sénégalais ne seraient pas sortis. Et je voudrais rappeler une petite histoire. Je veux dire que Sonko n'est pas le premier à faire ce qu'il a fait. Souvenez-vous de la bataille Macky-Ouad. Contre Ouad, oui. Voilà. Quand Ouad, Macky, pardon, est obligé de démissionner. Et Ouad Diouf. Voilà. Et même Ouad Diouf. Je prends la plus récente. Quand Macky quitte l'Assemblée nationale, Macky prend 4 ans pour sillonner tout le pays. Il prend 4 ans pour parler aux Sénégalais. Et il réussit à les convaincre. Voilà comment il a réussi à vaincre Ouad. Il retourne les Sénégalais contre Ouad. Je vais prendre le cas de Sonko. Sonko est sur les braises avec Macky depuis au moins 3 ans. Au moins. D'accord? C'est même, voilà. Il est au front avec lui depuis. Il prépare. Il a préparé ce qui est arrivé. Ici, chez nous, au Cameroun, et si on peut faire des analyses, allons-y. Les qui font quoi? C'est-à-dire que les gens sont dans leur chapelle, ils se filment, ils balancent sur les réseaux sociaux, ils tiennent des discours de convenance sur les plateaux de télévision et ils se disent que non, le peuple a entendu ça, le peuple va les suivre. Le peuple ne peut pas suivre ça. Il faut aller auprès du peuple. Il faut aller manger avec le peuple, lui tenir les discours qu'il faut. D'accord? Prendre le temps que les autres ont pris pour sillonner le pays, laisser les plateaux de télévision et les réseaux sociaux, aller vers les Camerounais. Si vous voulez renverser le régime, allez leur parler. Faites ce que Sonko a fait. Faites ce que Macky a fait. D'accord? Donc je voudrais dire qu'en réalité, chaque peuple a les gouvernants qu'il mérite. Il a les opposants qu'il mérite. Il a la société civile qu'il mérite. Au stade où nous sommes, je vous assure, ce qui s'est passé au Sénégal donne plus de leçons à notre opposition que à nous qui sommes du régime. J'ai dit bien beaucoup plus. Beaucoup plus pourquoi? Il y a la question du panafricanisme qui s'est posé tout à l'heure. On a titillé le président Bandakani autour de cette table en disant oui, on parle toujours de ce qui se fait ailleurs, pourquoi on ne parle pas de ce qui se passe au Cameroun? Je voudrais vous dire que le président Biya, c'est un grand panafricaniste, sauf qu'il ne l'ouvre pas. Il n'est pas un panafricaniste des discours, c'est dans les actes. Faites une analogie entre les intérêts de l'Occident au Cameroun en 1960, et les intérêts de l'Occident au Cameroun actuellement. Vous allez voir, il y a une chute drastique. Il y a des actes qu'on pose, d'accord? Vous connaissez combien de présidents capables d'aller dans une institution forte occidentale et leur dire le Cameroun n'est la chasse gardée de personne? Et quand? Vous connaissez combien de présidents capables de faire ça? Vous connaissez combien de présidents capables de dire devant un étranger, un président français, de surcroît, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut? Combien? Vous connaissez combien de présidents capables de se lever? C'est ça des actes de panafricanisme. Je vais vous dire, ce sont des actes de libération, de diversification des partenaires. Parce que le panafricanisme n'est pas idiot. Hein. C'est-à-dire qu'en même temps, quand vous suivez le discours et de Sonko et de l'autre, ils ne vous disent pas qu'ils vont s'enfermer sur eux-mêmes. Mais vous disent que, voilà, ils ne vont pas s'enfermer. Mais ils vont tout faire. Bon, du moins dans le discours. Ils vont tout faire pour que leur pays ne soit plus la chasse gardée d'une certaine puissance étrangère que je ne veux pas nommer ici. Donc en réalité, le panafricanisme, oui, le panafricanisme dans les actes, mais pas dans les discours. Que les opposants de chez nous essaient de structurer les discours, qui ne demandent pas à la population de les suivre parce qu'elle doit les suivre, ils sont jeunes. Ça ne se passe pas comme ça. Yama, vous vouliez réagir rapidement, s'il vous plaît. Il y a panafricanisme et bon sang. Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté sur ce plateau? Monsieur Youm, s'il vous plaît. Vous qui faites dans la recherche, la dernière fois que le président Biya a assisté simplement à un regroupement
sur le sol africain, que ce soit dans la sous-région ou sur le plan de l'Union africaine. Vous pouvez me dire quand est-ce que c'était, s'il vous plaît? Parce que la chose la plus évidente pour revendiquer d'être panafricaniste, c'est que lorsqu'il y a la réflexion, les regroupements, les rassemblements entre Africains, on se présente. C'est pas qu'on est prompt à prendre l'avion, aller en Suisse, au Canada, aux États-Unis, en France, et jamais toujours se faire présenter. Mon cher, vous avez bien vu que je ne vous ai à aucun moment interrompu. Je ne suis pas venu faire le débat avec vous, s'il vous plaît. Ce débat est d'un sérieux. Les Camerounais attendent tellement de ce débat que je ne viendrai pas faire un débat de chiffonnier. Non, mais c'est grave ce que vous êtes en train de faire. Et je parlais tout à l'heure, je n'avais pas l'intention de vous donner des leçons, mais à force de répéter ce qu'on vous demande de répéter, vous versez dans un langage qui n'est pas... Vous avez vu que j'ai ignoré ça. Quand vous dites les qui ont fait ci, non, ce n'est pas le français. Qui sont ceux qui, pas les qui ont. Ce n'est pas possible. Je suis professeur de français. S'il vous plaît. Oui, mais les professeur de français, les qui sont ceux qui... Yves Abama. Allez reprendre la bande de cette émission-là, vous verrez que cet entretien ne passe pas. Yves Abama. Ça ne peut pas être sorti de ma bouche. Yves Abama, s'il vous plaît. Laissez Abama encore poursuivre. Abama. Alors, j'ai entendu dire que... Non, je suis uniquement dans le débat. Je dis honnêtement, lorsque vous voulez vendre le rêve, mettez quand même du contenu à ce rêve. Je vous dis simplement que pour revendiquer d'être un panafricaniste, vous allez discuter là où on parle du panafricanisme. Et ces regroupements ont pour vocation de parler de cela. Le contenu, on peut en parler. Je voudrais rappeler que Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui le véritable acteur de cet événement qui a tendance à avoir un retentissement mondial, a été candidat à la dernière élection présidentielle avant celle-ci et qu'il est sorti troisième élection. Et que là-bas, on ne lui a pas brandi le fait que c'est un incapable qui ne peut rien produire. Ce qui se passait, c'est qu'il s'est frotté à l'élection, il a appris de son échec, il a travaillé à repartir à la conquête et il s'est entouré des hommes. Moi, je vous pose la question sincère. Est-ce qu'au Cameroun, il n'existe pas des acteurs qui ont des projets, qui ont des idées, qui ont la vision et qui savent mobiliser autour des personnes? Alors, le dire, c'est faire insulte. Et moi, je refuse catégoriquement ça. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi, je ne vends pas un projet qui s'appelle la jeunesse. Je refuse qu'on fasse insulte Annie John Fundi, qui, au péril de sa vie, aura contribué grandement à ce qu'il y ait quelques avancées démocratiques. Je refuse qu'on fasse insulte au docteur Adamu Ndamjoya, qui est mort sans voir le rêve du Cameroun et de la vision qu'il avait se réaliser. Je refuse qu'on fasse insulte au professeur Maurice Kamto, qui, d'arrache-pied, contribue à l'éveil de conscience. Et je refuse qu'on fasse insulte au président Cabral Libi qui a décidé d'aller contre l'ordre établi et dont le seul tort est celui de ne pas marcher sur les traces des gens qui évoluent avec des lobbies qui sont parrainés par un tel ou un tel autre. Je refuse qu'on le fasse. Faire insulte aux acteurs politiques de ce pays, de mon Cameroun, je refuse que vous le fassiez. Commencez vous-même par faire vos preuves. Je parlais donc tout à l'heure Ben écoutez, si je vous demande là où vous militez, vous ne serez pas capable de le dire. Soyez rassurés, Michael. Ne répondez pas systématiquement aux provocations. Je viens sur ce plateau de manière tellement sereine. Vous savez pourquoi je suis serein? Parce que hier, très peu sont ceux qui vendaient cher la peau de Sonko. Hier, très peu sont ceux qui pouvaient imaginer que, après avoir été emprisonné, après qu'on lui ait collé des motifs farfelus, comme quoi il a eu des problèmes de mœurs, très peu sont ceux qui, il y a deux mois encore, pouvaient imaginer ce qui vient de se passer. Alors, moi je suis donc serein en me disant que tous les procès qui sont faits ici ne s'arrêtent
une fois que le peuple a dit non. Parce qu'on peut se poser des questions. Et le président Badakani, à qui j'adresse mes remerciements de m'avoir rassuré que notre amitié ne va pas du tout prendre un coup, au Sénégal, il y a eu, et il l'a mentionné avec emphase tout à l'heure, il y a eu la déception. Il y a eu le fait que les aspirations du peuple n'étaient plus prises en compte par celui qui dirige. Il y a eu là-bas une sorte de vote sanction, parce que c'est de ça qu'il s'est agi. Le référendum dont je parlais. Et donc, de référendum. Est-ce qu'on peut calquer des images du Sénégal et les ramener au Cameroun? Évidemment, oui, on peut les calquer. Et il y a surtout le timing, et j'insiste là-dessus. Le timing, c'est qu'il y a à peine 4 mois, l'actuel président est sorti manu militari d'un véhicule et il est banalisé par des gens. Il y a eu le fait que en 10 jours seulement, les équipes ont préparé sa campagne et que vous avez vu cette semaine, oh mon Dieu, qu'elles étaient belles ces images. Les images de quelqu'un qui hier était bastonné et traîné dans la boue, qui aujourd'hui va découvrir le palais dans lequel il va devoir prendre des décisions importantes pour son pays. Alors, je suis serein donc de me dire que si ça a pu se passer au Sénégal, où le peuple s'est levé, où les jeunes se sont mobilisés, où il y a eu le triomphe de la solidité des institutions, eh bien ici, il suffit simplement que le peuple se lève et qu'il dise qu'on nous a suffisamment fait souffrir comme cela et que nous prenons nos propres responsabilités. Voilà. C'est ce que je dis. Non, non, prêtez attention, mon cher. Vous savez, vous êtes dans une arène. Vous n'avez pas me déstabiliser à le faisant. Vous savez, Platon a dit: votez comme si vos intérêts en dépendaient, car votre vote, c'est votre choix. Et John Fitzgerald Kennedy est venu renchérir en disant: le bulletin de vote est plus fort qu'une arme. Ceux qui estiment aujourd'hui qu'ils ont des armes et qu'ils peuvent mater le peuple doivent savoir que l'arme fatale qui dépasse le pistolet et qui dépasse la balle, c'est le bulletin de vote. Et donc, au lieu de continuer à vous plaindre en sourdine, ce qu'il faut faire lorsque vous ne vous reconnaissez plus en vos dirigeants, c'est de sortir cette âme fatale qui s'appelle le bulletin de vote. Et moi, je rêve d'une Afrique, pas seulement du Sénégal, d'une Afrique où les peuples vont prendre leurs responsabilités. Et cette Afrique unie est contenu justement dans la vision que nous incarnons. Éric Yombi, sortons, j'avais les dernières questions sur le Sénégal. Et comment entrevoyez-vous, je crois que Badakani a commencé à le dire tout à l'heure, les relations futures entre le pouvoir actuel, Bassirou Diomaye Faye, et la France? Le PASTEF a été clair sur la question du franc CFA. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, la création d'une monnaie nationale est envisagée. La coopération militaire et bien d'autres, comment entrevoyez-vous dans les jours à venir? Avant de répondre à votre question, j'aimerais embrayer sur la question de la citoyenneté. La question de la citoyenneté au Cameroun. La question de la citoyenneté au Cameroun est une citoyenneté d'une très grande pauvreté. Et si elle est d'une très grande pauvreté, parce que c'est une citoyenneté abandonnée notamment par nos jeunes, c'est parce que les différents acteurs ne font pas leur travail. Si vous prenez l'exemple de certains pays comme Pas seulement les acteurs politiques. Il faut plus. Les différents acteurs. En effet. Les différents acteurs ne jouent pas leur rôle. Si vous allez au Burkina Faso, par exemple, vous verrez le ballet citoyen qui fait le porte-à-porte pour sensibiliser les populations au sujet des questions de société. Avez-vous déjà vu, n'est-ce pas, certains acteurs se rendre, n'est-ce pas, dans les domiciles de tous et de chacun pour le faire? Non. Alors, donc, il ne faut pas être surpris de savoir que le Sénégal, fort de cette citoyenneté qui s'exprime notamment à travers les membres du Conseil constitutionnel qui décident de prendre des décisions en toute âme et conscience, parce qu'il y a non seulement la force des institutions, mais une citoyenneté affirmée de ceux-là, mais de la population aussi qui est prête à revendiquer ce qui lui revient de droit ou en d'autres termes, n'est-ce pas, défendre ses intérêts. Alors, vous avez posé la question du futur entre le Sénégal et la France officielle notamment. Ce que nous savons dans le programme du PASTEF, c'est la volonté de
d'avoir une souveraineté pleine et totale avec le PASTEF. Mais ce PASTEF ne doit pas oublier que lorsqu'on parle de souveraineté, il y a trois éléments principaux qui animent la souveraineté. Il y a la question de l'affirmation politique. Nous sommes le Sénégal, nous sommes pour la polygamie, nous voulons autre chose, nous voulons modifier ces accords léonins qui ont toujours existé. C'est ça la question de l'affirmation. On veut être nous-mêmes. La question de la responsabilité, en deuxième lieu. Responsabilité, ça veut dire qu'en face de ce peuple qui nous a donné mandat, nous devons respecter ce que lui veut. Le mandat qu'il nous a donné, voici ce qu'il souhaite, qu'on change le contenu de la relation, n'est-ce pas, entre ces deux pays. Troisième élément dans la souveraineté, la question des intérêts. Les intérêts du Sénégal, est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal est prêt à vendre son pétrole au bon prix, au vrai prix, de telle sorte que le bien-être des Sénégalais soit promu? Donc le PASTEF doit se rendre compte que en parlant de souveraineté, il faut intégrer ces trois éléments. Bien entendu. Maintenant, il y a la question de la CEDEAO. Le PASTEF a bien entendu dit qu'il veut modifier, n'est-ce pas, la façon dont fonctionne la CEDEAO, mais de l'intérieur. En effet. Mais ce sera difficile parce que ils viennent avec une méthode, ils viennent avec une démarche qui est trop différente, peut-être aux antipodes même de ce que les autres pensent. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes curieux de voir la suite, à savoir comment est-ce que ce PASTEF s'en prendra. Surtout qu'ils ont un défaut important, c'est qu'il n'y a pas des relations personnels qui se sont créés avec les chefs d'État. C'est vrai que les relations entre États sont impersonnelles, mais en réalité, la proximité entre les chefs d'État, c'est parfois, n'est-ce pas, un véritable catalyseur. Je convoque ici la relation qui a existé entre le président Amadou Ahidjo et Yakubu Gowon au sujet, n'est-ce pas, de la question du Biafra, où le Cameroun, personnellement, avec le président Ahidjo, a pesé d'un poids important pour que le Cameroun soit une sorte de barrière, n'est-ce pas, afin que le Cameroun ne soit pas une base arrière pour les sécessionnistes, notamment. Quels sont les points sur lesquels Diomaye Faye sera très attendu par les Sénégalais? Quelles doivent être ses priorités? D'abord, les questions économiques, les questions de la vie courante, de la vie concrète des populations. Les gens qui ont porté ce mouvement, ce sont des gens qui n'ont plus de perspective, qui vivent très mal. Je vous prends un exemple. Il y a l'enjeu majeur de la pêche. Le Sénégal, tout son potentiel en matière de pêche est absorbé par les sociétés multinationales, les étrangers, et particulièrement les sociétés occidentales, françaises, etc. Et quand vous regardez l'importance de la pêche dans le produit intérieur brut du Sénégal, vous voyez un exemple de chantier. Voilà un exemple de chantier. Il y a comme ça plusieurs chantiers. Il a parlé de la question du pétrole et du gaz, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, on découvre des gisements importants là-dedans. Et vous savez qu'il y a un ancien ministre de Macky Sall qui a démissionné, il était candidat à Tchernou Alassane, je crois, sur la question justement du fait que le pétrole sénégalais est proposé, est mis en appel d'offres, parlons comme ça, c'est le moins 10 ans qui gagne. Et le moins 10 ans, c'est français, c'est la France totale. Le ministre dit que mais c'est pas possible, monsieur le président, regardez les offres. Vous ne pouvez pas donner ça à Total. Mais le président Macky lui dit, mais tu n'as rien compris, le Sénégal c'est la France. On donne ça à Total. Il a démissionné, Jean Moufal. Ça pas seulement sur le secteur pétrolier. C'est la question de l'indépendance économique des pays africains qui est sur la table. Et qui se joue au Sénégal sur les formes sénégalaises, mais c'est la même question. C'est-à-dire, si on a des dirigeants, on n'a pas des dirigeants, n'est-ce pas, qui ont la capacité, une fois arrivés au pouvoir, de transformer la légitimité populaire en une puissance. En une puissance capable dans le rapport de force d'imposer, n'est-ce pas, dans les négociations avec ce que vous appelez partenaires étrangers, tout ça ne va servir à rien. C'est ce qu'Éric est en train de vous dire. Cette question-là n'est pas prise en compte par les acteurs politiques camerounais. Y compris ceux qui disent que il faut compter sur la jeunesse. Et ceux qui nous gouvernent. Vous dites ? Et ceux qui nous gouvernent. Ben, on les connaît déjà. Et ça, la question est prise en compte. Non, on les connaît déjà. Je vous dis une chose. Et là, ça me permet d'approfondir la question panafricaine sur laquelle on m'a encore interpellé tout à l'heure. Si vous répondiez à la question, ça permettrait également. Je réponds à la question. De comprendre. Monsieur, je vais vous répondre. Allez-y. Non, laissez-moi vous répondre. Je ne refuse pas la question. Allez-y. Je dis que ça permet d'approfondir. Dans l'agenda panafricaniste que nous avons lancé, il y avait une question stratégique majeure qui s'est imposée à nous. Qu'est-ce qu'on fait des vieux dirigeants? Des dirigeants issus du néocolonialisme et de la France-Afrique. Nous avons répondu comme ceci. Nous ne pouvons pas ouvrir deux fronts en même temps. Si nous sommes les ennemis des dirigeants à l'intérieur et les ennemis de leurs tuteurs étrangers, on perd la bataille. On a dit que sur le plan de la stratégie, les dirigeants qui à l'intérieur
auront une image panafricanisante, je précise bien, auront notre soutien. Mais ils ne sont pas des références en panafricanisme, mais ils ont d'autres soutiens. C'est comme ça que nous avons commencé à travailler, comme ça que nous avons réussi à convertir un peu des gens comme Déby et beaucoup de présidents dans la sous-région qui ont rejoint la dynamique. Mais le projet panafricaniste, tout à l'heure, Eric vous a rappelé ça, regardez sa séquence. Il a plusieurs séquences, depuis Haïti, depuis la diaspora, depuis la révolution haïtienne, etc., jusqu'aux indépendances. Après, il connaît un sommeil, il tombe, après la libération des pays du front, de la dernière ligne du front, de l'Afrique australe, il connaît un sommeil. Après, avec Kadhafi, on essaie, bon, les Demko Diop lance un mouvement, on essaie de relancer. C'est cassé par l'Occident avec les attentats des avions qui explosent en l'air, avec des cadres africains qui tentent de réfléchir sur une politique africaine des mines. On a fait exploser l'avion. Après, ça dort. Kadhafi essaie de relancer. L'Occident récupère. Et nous, on arrive. Donc, il faut bien tenir compte des différents mouvements soubresauts du mouvement panafricaniste pour comprendre ce qui est en train de se passer actuellement sur le continent. Nous, on arrive, on relance. Et on est buté à cette question. Par rapport aux dirigeants camerounais, moi, je suis de ceux qui assument que le président Biya la paix panafricaniste. Et je vous dis pourquoi. J'assume ça. Et je vous dis pourquoi. Ça ne fait pas de moi, militant. Moi, je suis quoi du RDPC. Et je n'ai jamais rien reçu du pouvoir camerounais. Contrairement à certains qui crient dans l'opposition alors qu'ils ont des liens organiques avec le pouvoir. Et on peut le démontrer. Donc, quand le président arrive au pouvoir en 82, il dit ceci. Le Cameroun n'a chasse gardée de personne. Et il le dit où? En Allemagne. Mettez-vous à l'époque. Et aujourd'hui, il fallait le courage pour le dire. Parce que ça a eu des conséquences. Ceux qui connaissent les accords de la diplomatie savent que ça a eu des conséquences dans ces relations. Il y a eu des réactions terribles. Quand le président arrive au pouvoir en 1994, quand on dévalue le franc CFA, le président dit à ses pairs, sortons du franc CFA. Bongo et Diouf vont s'entendre et vont le livrer à la France. C'est pour dire encore pourquoi le président n'est pas pris dans le sommet de l'Union africaine. C'est connu, hein. Diouf a écrit ses mémoires, tu peux aller lire à l'intérieur. Il dit, c'est les Bongo et Diouf qui vont trahir le Cameroun. Et le Cameroun va donc avoir pour représailles de l'Occident un des plans d'ajustement structurel les plus durs qu'on a imposé à un pays africain, Cameroun. Depuis ce moment, Biya a décidé, je ne veux plus dans ce rassemblement. Je dis que Dieu fait écrire ses mémoires. Le Cameroun n'est pas un pays satellite à partir duquel on déstabilise ses voisins. Il y a des pays qui le sont. Quand le problème de la CEDEAO aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les pays de la CEDEAO ont accepté d'être les vannes-pieds du président français pour détruire le voisin. Regardez le Cameroun. Au contraire, il porte le fardeau de beaucoup de pays voisins, pour soutenir, pour aider et pour défendre la souveraineté de ces pays-là. Centrafrique, même en donnant le Tchad, on peut le dire. Ce sont des faits. Le Cameroun a réussi à se doter d'une armée. Regardez toutes les colonies françaises. Première caractéristique, il n'y a pas d'armée. Parce que le colon ne veut pas d'armée. Je ne sais pas pourquoi le président Biya fait, mais il a réussi à se doter d'une armée d'autres pays qui a anticipé sur les menaces globales, qui ont détruit l'autre pays de la sous-région. Quand vous bégayez, quand vous parlez. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver avant. On voit à quel niveau Paul peut arriver. Hein. Non. On voit. Ça peut arriver. Bon, c'est pour ça que nous étions amis. C'est dire que je suis bête. Tu t'es insulté ma maladie. Tu vois à quel niveau tu peux arriver? Je vous ai taquiné amicalement. Non. Moi, je taquine pas, je te respecte. Tu taquines pas. Je connais tes défauts, Armand. Mais je ne peux pas t'attaquer sur un plateau avec ça. On n'allait quand même pas aller dévoiler. Soyons élégants. Vous êtes jeunes. Vous voulez dire que vous êtes des jeunes. Soyons élégants. La jeunesse, c'est l'élégance. C'est le fair play. Terminé. C'est l'état d'esprit sérén, de sérénité et d'élégance dans les débats politiques. Donc, je tente d'indiquer. Moi, j'ai des arguments. Pour finir, hein, vraiment. Je tente d'indiquer que. On a un ensemble d'éléments, c'est à partir de ça, et plus grave. Le président Biya a assumé que le panafricanisme renaisse dans son pays. L'homme qui vous parle, je suis au courant des pressions que la France a faites sur le président Biya pour que les gens comme nous, on nous fasse taire. Eric, tu le sais. Tu le sais. Qu'on nous fasse taire. Je suis au courant, je l'ai vécu. Il a dit non. Mais la politique, c'est aussi la vérité. Vous voulez que je vienne sur un plateau au nom de la politique politicienne? Je n'ai pas dit ça. Parce que les gens vont me détester, mais qu'ils me détestent. Donc, il y a tout ça qui nous amène, nous, à dire que le président Biya pour nous, c'est un panafricaniste. Contrairement à des pays, au Sénégal, on réprime les panafricanistes. On a réprimé les Sonko et d'autres panafricanistes qui venaient travailler là-bas. Au Bénin, à l'heure actuelle, on pourchasse les panafricanistes. Vous avez beaucoup de pays africains où ils sont pourchassés. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Donc, c'est à partir de ce fait-là que nous disons que, n'est-ce pas,
le président Biapo, nous l'appelons panafricaniste, sans aucun état d'âme. Je termine, je termine. J'allais faire la différence, hein, peut-être ça risque de vous faire repartir, mais ce n'est pas une question. C'est vous le boss. La différence entre les africanistes qui soutiennent les pouvoirs en place et ces panafricanistes-là qui combattent les pouvoirs en place. Vous avez parlé du Bénin tout à l'heure, je prends l'exemple de Kémi Séma, par exemple. Oui. Qui est un véritable pouvoir du pouvoir béninois, mais qui est pourchassé en raison de ce qu'il, justement, est contre le pouvoir en place. Et il est contre la France et bien d'autres puissances occidentales. La différence, cette fois-ci, c'est une lecture, hein, avec ces panafricanistes-là, justement, qui soutiennent les pouvoirs en place et qui disent que c'est l'Occident. Et qui dit que c'est l'Occident qui a tout fait mal, qui a fait tout ce qui a mal dans le. Vous savez, vous avez la chance d'avoir en face de vous, je vous en prie. Oui. Vraiment, je vous donne 30 secondes pour terminer. Vous m'avez invité, donnez-moi l'occasion de parler un peu de ça. S'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est-à-dire que, vous savez, vous avez en face de vous quelqu'un qui est même l'initiateur de ce mouvement. Je vous le dis. Je connais tous les acteurs panafricanistes. La décence et l'élégance m'interdit de venir sur un plateau et dire des choses sur mes compères qui ne sont pas là. Mais ce n'est pas ça le débat. Vous avez beaucoup de gens, vous vous rappelez, c'est de RFI qui est parti le débat pour dire que les panafricanistes soutiennent les dictateurs. C'était porté par quelqu'un qui aujourd'hui est devenu un grand panafricaniste. D'après certains, il est où aujourd'hui? Le pouvoir qu'il soutient est-il une référence en démocratie? Vous voyez les trajectoires? Faites attention avec les discours des gens. Il y a des gens, en fait, il y a beaucoup dans cette dynamique, il y a des gens qui en ont fait un objet de commerce, qui en ont fait un fonds de commerce, je vous le conseille. Il y en a qui cherchent des filons, n'est-ce pas? Mais vous le connaissez tous, au col le connaît, et vous connaissez ceux qui sont sincères. Ne mélangeons pas les pédales. Tout à fait. Je voulais terminer à l'adresse de mon ami. En un mot, vraiment. Oui, non, c'est un mot. Comment au col fait pour oublier que celui qui est en face de lui est celui qui a conduit la première tenante dans un parti politique? J'avais 39 ans à l'époque, il m'a dit. Comment il fait pour oublier? Avec 39 ans. Donc ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Ok. Sur les leçons maintenant, Yves Abraham, les leçons à tirer justement de ces événements du Sénégal. En un mot, ce sera un total pour chacun, vraiment en un mot. On a 30 secondes chacun, on va passer au deuxième sujet, s'il vous plaît. Non, je pense que les leçons sont évidentes. Elles sont évidentes, à savoir que il faut qu'on essaye de rajeunir la scène politique parce que jusqu'ici, on a le sentiment qu'il y a une très grande dominance des seniors. Je ne vais pas dire les vieux, mais des seniors. Il faut qu'on essaye de rajeunir et c'est à tous les niveaux. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est seulement pour l'opposition, c'est pour tout le monde. La deuxième leçon, c'est que une opposition forte est un garde-fou pour le peuple. Il faut que l'opposition camerounaise ne s'imagine pas que le pouvoir la veut faible. L'opposition camerounaise doit être forte. L'opposition camerounaise doit être structurée. L'opposition camerounaise doit être avant-gardiste. L'opposition camerounaise ne doit pas être égoïste. L'effacement. Il peut arriver qu'un leader ne soit pas en mesure de porter une cause. Il s'efface et il promeut son second. Ce n'est pas un crime. Sonko vient de le faire, ça le grandit un peu plus. Eric, j'aimerais tout simplement appuyer ce qu'a dit Yves tout à l'heure concernant le rajeunissement et le renouvellement de la classe politique. Yves, tu es un frère, tu es un ami. J'aimerais te voir, pourquoi pas, président du Conseil économique et social au Cameroun. Ah bon? Je crois que tu le mérites. Ah bon? Oui, à la différence, n'est-ce pas, de ceux qui sont là, et ça, depuis Habitat Méditerranéen. Bon, je crois que tu en as les compétences. Ceux qui sont là ne sont donc, pas là, du fait de nos souhaits, toi et moi. Je rêve justement de ce Cameroun où il y a de plus en plus, et de manière importante, des bols d'air qui visent, n'est-ce pas, à donner de plus en plus la chance à la jeunesse. Amand, la principale leçon que je tiens du Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, on est président de la République, chef suprême des armées, on est chef de la magistrature suprême, on est l'alpha et l'oméga, on nomme aux emplois civils et militaires, et du jour au lendemain, on perd tous ces éléments de pouvoir. Je note du Sénégal qu'aujourd'hui, quand on est ministre, et qu'on estime que, parce qu'on a bénéficié du décret du président de la République, on peut mépriser le pouvoir électoral et on peut mépriser le mandat électoral, que tout pouvoir est éphémère. Je note du Sénégal qu'en vérité, plus que jamais, l'éveil citoyen est une nécessité. Ayez les plus grands acteurs politiques du monde, ayez la meilleure vision du monde, mais ayez le plus beau projet de société. Mais si ça ne s'accompagne pas
de la volonté, de l'acharnement même, j'ai envie de dire, du peuple à participer lui-même au choix de ses dirigeants et donc à participer aux choix politiques qui vont impacter sa vie et la vie des siens, alors ça va être difficile à faire. Mais je note surtout que ceux qui font échec aujourd'hui, ceux qui sont matraqués aujourd'hui, je parle là des acteurs, soyez matraqués, soyez pourchassés, soyez accusés de tous les noms d'oiseaux, mais le destin est aussi divin. Parce que dans ce qui vient de se passer au Sénégal, il y a eu la main de Dieu là-dedans. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, lorsque Dieu a décidé à un moment donné que malgré l'enracinement, la malice, eh bien, ce pouvoir vous échappe, eh bien, il va vous échapper. Et la leçon que je retiens, c'est que 2025, l'année prochaine, il y aura au Cameroun un nouveau président de la République. Et la leçon que j'ai du Sénégal, c'est que l'acteur aujourd'hui qui incarne l'espoir, qui a la vision, qui a le projet de société, qui a porté des causes sociales à n'en plus finir partout, pas seulement celle de son village, qui allait à l'extrême nord, qui a parlé de la forêt des Baux et tout, la leçon que je retiens, c'est que le président Cabral Ivy est celui que le Cameroun a choisi pour conduire aux destinées de son pays à partir de 2025. Et je le dis, ça peut amuser certains sur ce plateau, mais je dis, lorsque vous voulez ricaner, passez-moi l'expression, quand on parle d'un homme qui incarne le pouvoir et qui l'a démontré, eh bien, dites-vous quand même que vous lui devez un minimum de respect et de considération. Merci Arma Okol, merci messieurs. On a fait le tour avec le premier sujet du débat de ce dimanche. On va prendre la transition. On vient pour parler du PCRN et la crise qui secoue la formation politique. Tout de suite. Je vous le disais tout à l'heure, la crise qui secoue le Parti camerounais pour la réconciliation nationale a pris d'autres proportions cette semaine après avoir été suspendu de ses fonctions au sein du bureau politique national du PCRN. L'un des fondateurs, Robert Kona, a été définitivement exclu du parti. Le secrétaire général du PCRN a adressé le 25 mars 2024 une notification au ministre de l'administration territoriale et en retour, le 27 mars, le membre du gouvernement a signifié son refus de l'exclusion de Robert Kona pour violation des statuts du parti et défaut de qualité, a-t-il écrit dans sa communication. Et comme une réponse du berger à la bergère, le 28 mars, Robert Kona a adressé à son tour au Minat une liste de personnes définitivement exclues du Parti camerounais pour la réconciliation nationale et parmi lesquelles le président national Cabral Ibi, le secrétaire national de communication Ama Okol qui est avec nous ici sur le plateau. Et Ama, je vais commencer par vous. Je voudrais qu'on parte d'abord aux origines de l'affaire. L'affaire débute, je peux me tromper, en décembre 2023, quand le PCRN convoque un congrès ordinaire qui doit se tenir à Kribi. Robert Kona sort des bois, qui est l'un des pères fondateurs de la formation politique, s'oppose à la tenue de ce congrès. Et dans les entrefaites, le sous-préfet de Kribi deuxième interdit la tenue du congrès pour, dit-il, risque de troubles à l'ordre public, on va dire ainsi. Et puis, donc que Cabral Ibi met sur pied, le président national du PCRN met sur pied une commission pour discuter avec le père fondateur, le dialogue, la conciliation, ce sont ces mots, en ces moments-là. Et dans les mêmes entrefaites, on apprend que le père fondateur a engagé une action en justice au tribunal de première instance de Kaélé, qui consiste à annuler tous les actes du congrès de Guidigui tenu en 2019. De Cabral Ibi, le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Arrêtons-nous au moins là pour les deux faits. D'abord, la première chose, la conciliation et le dialogue dont parlait le président national au moment du début de l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça n'a pas prospéré? Michael Tripio, je commence d'abord par vous dire la raison pour laquelle je suis venu ici. Je suis venu ici parce que vous êtes un journaliste professionnel, rigoureux, qui prépare ses émissions.
C'est pour ça que chaque fois que vous m'avez sollicité ou que vous avez voulu recevoir le président Kaba Libi ou d'autres acteurs, vous le savez, je le fais avec diligence. C'est pour ça que je salue la thématique telle que vous l'avez libellée, les dissensions, parce qu'en vérité, pour comprendre tout ce qui se passe au sein du PCRN, il faut aller chercher les raisons et les acteurs hors du PCRN, et nous allons en parler. Mais en vous félicitant pour la rigueur qui vous caractérise souvent, il s'est glissé un lapsus tout à l'heure lorsque vous parliez de l'exclusion de certains individus dont je n'ai pas connaissance. Parce que si vous lisez cette correspondance, vous allez comprendre qu'il s'agit du Parti Camerounais pour la reconstruction nationale. Peut-être que ça vous a échappé. Les gens à la maison qui nous suivent peuvent regarder dans ce document qui parle de l'exclusion d'une vingtaine de personnes. Et évidemment, moi, je ne me reconnais pas dedans. Moi, je n'ai pas vu mon nom là-dedans. Mon nom, c'est Okol Jean. Et là-dedans, ce n'est pas, c'est pas ce que j'ai vu. Kaba Libi, tout le monde sait comment ça s'appelle. Donc, ça vous montre en vérité que c'est tout sauf quelque chose de sérieux. Quand c'est sérieux, on ne peut pas ne serait-ce que confondre le nom de la formation politique. Je dis, tout le monde peut taper, même sur le plateau. Vous allez voir qu'il s'agit du Parti Camerounais pour la reconstruction nationale. Nous sommes le Parti Camerounais pour la réconciliation nationale, dont évidemment nous nous reconnaissons nullement là-dedans. Écoutez, ce qui se passe au sein du PCRN, c'est en fait la volonté pour certains adversaires politiques de consacrer l'exclusion, mais de manière radicale, de la candidature du président Kaba Libi à l'élection de 2025. Pour une raison simple, c'est qu'ils savent que ça va être un adversaire redoutable et rigoureux parce qu'il travaille. Et d'ailleurs, ce travail va aller en s'intensifiant. Nous aurons le temps d'en parler. Vous faisiez allusion tout à l'heure à la plainte que M. Konar Robert, l'ex-président, parce que le président fondateur n'existe dans aucun texte du PCRN, ni en 2003, lorsqu'il a été créé, création en 2001, et l'acte de création en 2003. Ni en 2003, ni en 2024, après le congrès de Ngaoundéré, après le congrès de Guidigiz, où il y a eu un toilettage des textes, la fonction de président fondateur n'existe nulle part. Est-ce que la fonction de fondateur au moins existe? Non plus. Okay. Ça n'existe nulle part. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il y a beaucoup de confusion. Mais cette personne, quand même, et vous faites bien de mentionner le début plus ou moins de cette affaire, je préfère l'appeler comme ça, ça remonte à un peu plus tôt que décembre, c'est pratiquement octobre en vérité. Mais je voulais m'arrêter sur un fait. Michael Kitcho, lorsque vous décidez d'aller en justice porter une affaire, c'est pourquoi? C'est parce que vous vous sentez dans vos droits bafoués. Et c'est parce que vous faites confiance en la justice. C'est pour ça que vous allez au tribunal, il me semble. Mais comment comprenez-vous que monsieur saisisse le tribunal pour contester la légitimité de quelqu'un qui a été régulièrement élu à un congrès et qui y a déjà eu trois fois que l'affaire a été appelée au tribunal. Et que vous qui avez saisi le tribunal, jamais, pas une seule fois, vous ne vous soyez présenté. Et qu'on vous demande de venir présenter l'original de la consignation et que vous ne soyez jamais venu. Est-ce que ça ne vous interroge pas, véritablement? Trois audiences et... Trois audiences. La quatrième a lieu ce mercredi. Je dis que M. Kona, tout le monde a vu circuler, a saisi le tribunal de Kaélé pour contester la légitimité de l'honorable Kaba Libi comme président national du PCRN. Nos avocats se sont rendus régulièrement, d'ailleurs, celui qui traite de l'affaire va prendre la route de Kaélé, pas plus tard que demain, ce sera pour la quatrième audience. Mais dites-moi, vous pensez qu'on peut autant se moquer et d'un pays et de sa justice, et des efforts des citoyens? La moindre des choses, lorsque vous déposez une plainte, quand on appelle l'affaire, c'est que vous venez parce que vous êtes sûr d'avoir des éléments pour étayer la plainte que vous avez déposée. Lorsque vous ne venez pas, c'est que vous faites insulte à cette justice. Mais plus grave, lorsque vous déposez une plainte et que l'affaire est pendante en justice,
L'attitude la plus raisonnable à faire, c'est laquelle ? N'est-ce pas d'attendre qui est le jugement ? Mais si vous commencez pendant ce temps à vous agiter, à prendre un certain nombre de positions qui vont à l'encontre d'une formation politique, à quoi vous attendez-vous ? Alors, puisque vous voulez qu'on parle de la jeunesse, aucune formation politique, je parle sous le contrôle de M. Badakani, aucune formation politique ne peut se créer par un individu. Quand bien même ce serait le maître à penser de cette formation politique, au moins pour l'Assemblée générale constitutive, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes. Parce qu'il faut un bureau quand vous déposez la documentation au ministère de l'administration territoriale. Alors, il y a eu 3 cofondateurs, si on peut le dire, à la jeunesse. Ces 3 sont Massadine, Albert Fleury, ex-secrétaire général, Wanfeo William, ex-trésorier, et Conard Robert. Les 2 autres cofondateurs donnent un dernier avertissement à leurs congénères. Les 2 autres cofondateurs estiment que là, on est en train de vouloir torpiller des efforts du grand nombre. Écrivent au président national via le bureau politique pour dire « Trop, c'est trop, il faut arrêter le massacre. » On sort les textes du parti. On va échelon par échelon. C'est d'abord le comité d'éthique et de surveillance qui a statué, qui a appelé la personne mise en cause, qui a refusé de venir. Les autres cofondateurs ont donc envoyé une lettre à l'intéressé pour dire « si tu persistes dans ton attitude, parce qu'on sait exactement qui est derrière toi, eh bien nous allons prendre nos responsabilités ». Il n'a pas décidé de retrouver le bon sens. Ces mêmes personnes saisissent dans les instances, demandent simplement que soient appliqués les textes que sont les statuts et le règlement intérieur. Et le conseil de discipline du bureau politique siège et on lui adresse d'abord un blâme, mais il persiste. Et après, le conseil de discipline décide de prendre ses responsabilités et prononce l'exclusion définitive. Et pour ceux qui ont quand même pris la peine d'aller lire les textes du parti, il y a des voies de recours, y compris pour des personnes qui sont définitivement exclues. D'où vient-il que cette personne refuse catégoriquement de suivre les cofondateurs, refuse à l'aliène les appels de la base et vous voulez qu'un homme comme celui-là continue à figurer dans les effectifs. Monsieur Michael Chipchip, vous êtes journaliste et dans le domaine politique depuis une bonne quinzaine d'années, si je m'abuse. Avant 2019, vous pouvez me dire à quelle occasion vous avez parlé du PCRN dans une de vos émissions, à quelle occasion vous avez reçu un acteur ou un représentant du PCRN avant. Les partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Le PCRN avant 2019 n'a jamais concouru à l'expression du suffrage. Avant 2019, il n'y a pas eu une seule assemblée générale du PCRN avant 2019. Jamais. Avant 2019, le PCN ne s'est jamais, mais pas une seule fois, présenté à une quelconque élection. Avant 2019, il n'y avait ni cellule, ni bureau de base, ni instance. D'où vient-il donc qu'après une élection organisée dans les règles de l'art au cours d'un congrès auquel la personne a lui-même pris part. D'où vient-il qu'après un congrès qui a eu lieu en Gaoundéré, où il était membre du bureau du congrès, où il a paraphé les documents, eh bien, d'où vient-il qu'aujourd'hui, on va nous parler d'un quelconque fondateur d'une formation politique, et Michael Tchipchio, je termine par là, vous vous souvenez sans aucun doute de l'excellent reportage que votre collègue et directeur de l'information de cette chaîne, Rodrigue Tongué, a organisé au moment où le ministre de l'administration territoriale prenait acte des changements survenus au sein du PCRN. Les 10 documents avaient été co-signés notamment
par cette personne que vous appelez cofondateur aujourd'hui. Il avait paraphé les documents qu'il avait envoyés et vous vous souvenez de la théâtralisation orchestrée par le ministre de l'administration territoriale au moment où il remettait le document prenant acte au président national du PCRN, qui est le président Cabral Libi. Vous, vous estimez que tout ça, c'est fortuit? Ce n'est pas fortuit. C'est les adversaires politiques qui veulent absolument écarter la candidature du président Cabral Libi. Et c'est connu, c'est sûr, on l'a dit tout à l'heure, le pouvoir est divin. Si Dieu et les hommes décident de porter un homme, personne ne peut barrer la route. On y reviendra tout à l'heure. Et ce qui vous a paru encore plus curieux, vous l'avez dit, et Cabral Libi l'a également dit, d'ailleurs sur les antennes Canada International, cette semaine, c'est ce refus d'acceptation de l'exclusion de Robert Kona des rangs du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale. Bandakani, je vous donne la parole, puisque vous-même, vous êtes responsable de formation politique. Est-ce que juridiquement, ça se comprend effectivement que la lettre du secrétaire général Massardine, qui a été envoyée au ministère de l'administration territoriale pour besoin d'information, voilà, qu'elle suit un refus d'acceptation de l'exclusion de Robert Kona, ancien père fondateur, enfin père fondateur de la formation politique des rangs, de ses rangs. Bon, notre position est difficile sur ce plateau, hein, parce que vous nous demandez de commenter les affaires d'un mariage qui se gâte. Il aurait été mieux d'inviter une des parties absente sur ce plateau, qui maîtrise aussi le dossier aussi mieux qu'au col. Non, j'ai bien précisé. Vous êtes responsable de formation politique. Je vous ai très bien compris. J'ai précisé que vous êtes responsable de formation politique. Il vous arrive peut-être une fois même dans votre vie d'exclure un des membres de vos rangs. Quelle est la démarche? Je vais vous répondre. Allez-y. Mais acceptez que je commence par le préalable. J'ai très bien compris. Je vous en prie. Ouais. Donc, ça fait que là, on écoute seulement la version de col. Nous, on est mal armé pour répondre à ça. Donc, je commencerai par dire que quand ils se mariaient, nous, on n'était pas là. Quand tu vas chercher une femme, elle est la plus belle femme du monde. Elle a les meilleures qualités du monde. Quand il y a des problèmes, elle devient la plus laide. Elle devient la plus méchante. Donc, on ne juge pas les affaires de mariage comme ça. Alors, pour revenir à votre question, il faut distinguer la justice et l'administration et les pouvoirs que le décret qui crée le MINAT confère au ministre dans ses rapports avec ce qu'ils appellent dans le texte le décret, l'organisation à but non lucratif, mouvement et organisation à but non lucratif. Et ce qu'on dit, quand vous êtes au chapitre concernant la direction des affaires politiques, vous voyez très bien l'ensemble des prérogatives que le ministre a. L'homme politique que je suis, le président du parti que je suis, c'est d'abord étudier ça avant de me lancer en politique. Correctement. Parce que justement, ces prérogatives ont pour caractéristique le flou. C'est-à-dire, quand on vous dit que chargé du suivi des activités des associations et mouvements à caractère politique. Dans le suivi-là, qu'est-ce qu'il y a clair là-dedans? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a clair là-dedans? Dans le suivi-là, on peut mettre tout et n'importe quoi. Mais c'est la législation qui dit ça. C'est ce que les textes critiqués de Bidat attribuent au ministre comme pouvoir. Donc, dans cette dynamique-là, moi, ce que nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, prenant acte de ça, nous faisons tout pour ne pas prêter le flanc. C'est pas facile, hein, mais nous faisons tout pour ne pas prêter le flanc. Parce que sur le plan des tests, on dit que c'est le MINAT qui suit, il est chargé de suivre la tutelle des partis politiques. Il a un pouvoir de tutelle sur les partis politiques. Et on n'a pas précisé en quoi consiste cette tutelle réellement. Ouais. Tellement. Donc, il peut estimer qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Il peut estimer que, ici, là, du plan, sur le plan de la légalité, c'est tel parti qui est, au regard des documents qu'il a, et de l'exploitation qu'on a fait à celui des affaires politiques, que c'est tel parti qui est en situation de légalité administrative, je précise bien, comme c'est aussi un homme politique, parce que le ministre n'est pas un homme, c'est un homme politique. Il peut aussi estimer que, bon, ok, les intérêts de mon camp,
dans le contexte sont en jeu et que dans le contexte actuel, je vais me servir des prérogatives que me confèrent les textes qui créent, n'est-ce pas, ma fonction, mon poste, je vais m'en servir, n'est-ce pas, pour en même temps faire confondre, n'est-ce pas, les intérêts de l'État et les intérêts de mon camp. La question est celle-ci, est-ce qu'il n'est pas fondable de le faire? L'État, c'est lui dont le banque le fait. C'est le problème. Donc notre combat, c'est de changer ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'au Cameroun, on revoie l'architecture du ministère de l'administration territoriale dans ce domaine-là. Pour éviter ce qu'on est en train de vivre. Mais je continue en disant ceci. Je pense que aujourd'hui, nous observons la bataille entre le PCRN et le MINAC, puisque d'après le camp de Cabral Libye, c'est le MINAC qui est en première ligne pour déstabiliser le parti. Et le MINAC, c'est un élément du pouvoir. Mais on a observé aussi plusieurs fois de moments la connivence entre les éléments du pouvoir et ce parti. Pendant les élections municipales et régionales, les élections, on a vu ça. Donc nous, à un moment donné, on est perdu. On a envie de se dire que mais c'est une affaire entre eux. Moi, j'ai envie de dire que c'est une affaire entre eux. Concrètement, la connivence dont vous parlez, c'est de quoi il s'agit de quoi? Le ministre de l'Ingrat a fait une sortie, en disant qu'on va corriger l'ingrat. Il est ingrat, on va le corriger. C'était public. Et on connaît un ensemble de mouvements de dignitaires du régime dans le nom et quelle, durant l'élection. Et on a même vu les conséquences d'après, quand ça a marché, puis ce qu'on a fait. Donc pour dire que, ben, je suis désolé de le dire, quand on regarde ça, on a envie de dire que mais, c'est une affaire qui regarde, c'est entre eux. D'abord, entre M. Kona et le parti, parce qu'il y a un antécédent. Hein. Avec le Kouvono, ça s'est terminé comment? Vous avez oublié? Ça s'est terminé comment? Kouvono s'est repentu, n'est-ce pas, dans des textes publiés dans les journaux, où il expliquait ses désagréments avec le président Cabral Libye. C'est pas lui qui a... C'était des partenaires, un peu de la même manière. Donc là maintenant, avec le président Kona, c'est la guerre. Et maintenant, on dit qu'il a tous les défauts. Peut-être c'est quand Dieu veut le concernant. Moi, je n'en sais rien. Je ne le connais pas. Je regarde ça à distance. Mais je vous ai convoqué un ensemble d'éléments. Je vous ai dit que, n'est-ce pas, le président Cabral Libye, hein, à un moment donné, a beaucoup d'amitié au sein du pouvoir. Ils ont des connivences là-bas entre eux. Et maintenant, nous, on ne comprend pas qu'à un moment donné, est-ce que c'est Atangan du titre personnel qui a un problème avec le président Cabral Libye et le parti? Est-ce que... On ne comprend pas. Donc, on regarde ça, on se dit que bon, on espère que ça va finir par s'arranger. On va essayer de comprendre tout à l'heure avec Amao Kol. Mais il a dit tout à l'heure, Yves Abama, est-ce que le PCRN fait peur à ce point pour que le gouvernement veuille à tout prix le fragiliser? Bon, en fait, pour répondre directement à cette question avant de... des explications. Un de leurs camarades a dit sur un plateau qu'il voulait menacer le MINAT. Hein. Il disait que le MINAT fasse attention à un parti dont l'essentiel des militants est situé sur la nationale numéro 3. Je ne sais pas, vous avez suivi ce propos-là? Il le disait chez vos confrères de STV. Donc vous pensez que, très sincèrement, avec tout le respect qu'on leur doit, est-ce qu'on peut avoir peur de ce genre de parti quand on s'appelle l'ORDPC? L'ORDPC n'a pas ce genre de problème. On n'a pas ce genre de problème. Il se trouve simplement que, en réalité, là, on parle encore de l'administration. Non, parce que vous avez dit, il a dit le camp. Dans le propos, je pense que j'ai la parole. Monsieur, j'ai la parole. Prenez la leçon que vous m'avez faite tout à l'heure. S'il vous plaît. Donc, en fait, en réalité, il a dit dans son discours tout à l'heure que ce sont les adversaires politiques qui veulent les fragiliser. Vous avez suivi. Oui. C'est pour ça que je dis le RDPC n'a pas ce genre de problème, surtout avec des partis qui se localisent eux-mêmes à un endroit. Donc on n'a pas ce genre de problème. En réalité, le PCRN, je ne voudrais pas entrer dans leur cuisine interne, mais comme eux-mêmes, ils nous donnent l'occasion de le faire, je vais y entrer. Ils sont responsables de leur propre turpitude. Pourquoi ? Essayez de voir déjà les conditions dans lesquelles l'honorable Cabral accède à la tête de ce parti. Vous êtes journaliste, non? Vous avez couvert le congrès du MRC? Vous avez couvert le congrès du SDF, non? Vous avez couvert le congrès au cours duquel le président Cabral Libye est porté à la tête du parti? Parce que tout à l'heure, il vous dit le magnifique reportage où on remettait les documents. Vous avez couvert ce congrès-là? Je ne pense pas, je n'ai pas vu une image. J'ai vu un document circuler sur les réseaux sociaux qui date du 3 mai 2019. C'est une lettre écrite par le père Kona qui demande au sous-préfet de Guédiguis de lui accorder une salle pour une réunion.
Vous connaissez la loi de 90 sur les libertés, c'est-à-dire que réunion publique, manifestation publique, vous savez tout ce qu'il faut. Cette lettre, je l'ai dans mon téléphone, je peux vous l'envoyer. D'accord ? Vous regardez et vous vous dites, ah, donc, au début déjà, c'était pas très bien parti. Mais je me dis que, dans le contexte, comme c'était une affaire entre des personnes qui peut-être se connaissaient déjà un peu, parce que le président Bandakani a parlé tout à l'heure du précédent avec Univers, il n'est pas exclu que Papa Kona était au courant. Donc on laisse faire et on s'est dit à un moment, si on veut être floué, on pose tel acte. Maintenant, quand je laisse le début où il y a des ambiguïtés dans la façon d'être porté à la tête du parti, et vous allez voir la vidéo organisée par, faite par votre camarade, vous voyez, le Minat est dans une attitude paternaliste d'un senior qui veut voir un jeune émerger. Et ce jour-là, beaucoup d'encouragement. Donc, la tolérance, tout ça, on peut comprendre. Maintenant, il arrive le moment de respecter les deals. Bon, nous autres, hein, le public ne savait pas qu'il y avait des deals. Il a fallu que le père Kona sorte sur la place publique pour que l'opinion sache que dans l'affaire, il y avait des deals. On parlait des maisons, des véhicules, tout ça. Mais on ne le savait pas. Bon, maintenant, si le père Kona vient vous dire que les deals n'ont pas été respectés, et comme les deals n'ont pas été respectés, il sort de la brousse, en quoi est-ce que ça concerne le RDPC? En quoi est-ce que ça concerne le Minat? Hein? Il a dit tout à l'heure, le président Bandakani, le Minat est chargé du suivi des partis. C'est-à-dire que, malgré lui, il est obligé de regarder ce qui se passe dans les partis. Il est obligé. Ouais. Maintenant, j'évolue. Quand je laisse le côté deal, j'ai aimé que M. Okol dise lui-même tout à l'heure que le père qu'on apporte plainte, et il revient encore s'agiter. J'ai noté sur mon bout de papier ici, mais qui était le premier à s'agiter? Vous êtes au tribunal. Vous dites que à trois reprises, on l'a appelé, il n'est pas venu. Mais laissez que le tribunal constate et tire la conclusion afin que vous continuez à prendre des actes pour la vie du parti. Laissez. Mais vous êtes les premiers à vous asseoir. Vous décidez de l'exclure alors que vous avez une affaire pendante au tribunal. Ça pose problème. Il ne pouvait pas rester calme. Il ne pouvait pas rester dans son coin. Réaction. Et puis, quand vous le suspendez, j'ai entendu une fois de plus M. Kol dire, dans le texte, il n'y a pas président fondateur, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ça veut dire que M. Kona était devenu un militant lambda. C'est bien ça, si je comprends. Il n'avait aucune responsabilité dans le directoire du parti. Membre du bureau politique, je crois. Ah, membre du bureau politique. Parce que dans leur texte, ils disent que, et ça, ça me plaît, dans leur texte, il est dit que les anciens présidents, effectivement, sont membres du bureau politique. Allez lire le titre sur la discipline chez eux. On vous dit que les responsables, et ils sont responsables, pour les décharger, déjà la commission s'assied et prend des mesures conservatoires. Bon, je ne sais pas si le blâme est une mesure conservatoire. Ceux qui sont plus intelligents, à qui on ne dit pas des choses qu'il faut venir répéter sur le plateau, vont nous fixer. Est-ce que le blâme est une mesure conservatoire? Un seul exemple, je sais que par mesure conservatoire, on peut dire suspension. Monsieur Kona a été suspendu quand? C'est pour que vous compreniez l'argument. En fait, je ne me mets pas dans la tête du Minat, hein, quand on vous dit non-respect de vos propres textes. Ouais. Donc, et puis, je ne veux pas entrer dans leur texte pour aller voir d'autres choses. Bref, je veux dire, non, je les connais très bien. Oh, mon Dieu. Je les connais très bien. Je vais vous dire. Laissez donc que je raconte des choses qui ne reposent sur rien. Comment je vais répéter? Et vous allez corriger. Laissez-moi gâter. Terminez. Donc, je ne sais même pas encore. Non, vous exprimez. Donc, en réalité, je voudrais dire que quand vous voyez la succession d'événements, vous vous rendez compte que ils ont organisé leur front en interne avec Papa Kona, comme eux-mêmes ils l'appelaient, hein, parce qu'avant on pensait Papa Kona, après c'est devenu Monsieur Kona, après c'est devenu cet individu. C'est eux qui ont organisé leur front en interne. Le monsieur a riposté, et à partir du moment où le ministre qui est chargé du suivi des associations se rend compte qu'il y a du rififi quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Le président Banda disait tout à l'heure, il ne faut pas donner la possibilité à un ministre d'intervenir. Et Michael, je voudrais vous faire un petit reproche, parce que heureusement, le président Bandakani était déjà allé dans ce sens-là. Pour équilibrer l'information, il fallait avoir les deux tendances du PCN sur le plateau. Parce qu'il faut être clair, moi j'ai appelé
l'OPEC Kona. Quand j'ai appris, je venais à cette émission, j'ai vu la note, parce qu'il dit tout à l'heure que le parti de la reconstruction, ils ne le connaissent pas. J'ai vu cette note, moi aussi j'ai vu reconstruction, je me suis dit, ah, ça doit être un autre parti. J'ai pris le premier numéro de téléphone, j'ai appelé, c'est l'OPEC Kona qui décroche. Je dis, bah, bonjour papa Kona, je me présente. Est-ce que c'est vous qui avez signé tel document? Il me dit oui. Est-ce que vous avez passé dans le document, il est question du parti pour la reconstruction. Il m'a dit que non, c'est une erreur. Il parle de son PCRN. C'est son PCRN, c'est-à-dire que l'appropriation. Bon, je le dis aussi, je vais un peu dénoncer, hein, parce que chez nous, et cette dérive-là, le président Cabral Libye également est dedans, c'est-à-dire que vous avez des gens qui pensent que les partis politiques ne sont pas des associations pour tous, mais ce sont leurs choses. Il m'a dit, il parlait de son PCRN. Et quand il exclut de son PCRN des militants, il ne faut pas que ces militants continuent à prendre parole sur la place publique. Ou alors, si vous leur donnez la parole, donnez aussi la parole à ceux qui appartiennent à sa tendance pour essayer d'équilibrer. Donc, je sors en disant que nos amis du PCRN doivent laisser les adversaires politiques tranquilles, doivent laisser le MINAC tranquille. Ils sont responsables de leur propre chiptude. – D'accord. Eric Yombi, est-ce que là où on lit aujourd'hui des communiqués d'exclusion des membres, ça et là, on n'aurait pas dû privilégier le dialogue? On en a parlé tout à l'heure à Maokol, le dialogue, peut-être même une médiation pour essayer de trouver une issue heureuse à ce problème qui, disons-le, ternit un peu l'image du parti aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par dire que il y a un ADN politique, il y a ce que nous sommes en réalité au sens politique au Cameroun. L'UPC a été créé, vous le savez, le samedi 10 avril 1948, c'était ici à Douala. L'UPC était un grand parti, territorialement bien implanté. Mais l'administration coloniale a eu le génie de créer ce qu'on appelait les partis administratifs, pour émietter l'influence de l'UPC, le parti le mieux implanté, le parti le plus influent. Et parmi les partis administratifs qui avaient été créés, il y avait l'Évolution sociale du Cameroun, 1949. Il y avait l'Union sociale du Cameroun, créée en 1953, sans parler du bloc démocratique camerounais de Lupolo Djula. C'est-à-dire que pour affaiblir l'UPC, voilà ce qui a été créé. J'ai l'impression qu'en 2024, ça n'a pas beaucoup changé, j'ai l'impression. Pire encore, nous sommes dans une situation où nous avons affaire à un parti qui prône la réconciliation, mais lui-même, il a du mal à se réconcilier avec lui-même. Je vous disais à l'entame de mon propos ici, il y a ce que nous sommes. Ce que nous sommes, ce sont des êtres camerounais. Nous n'avons pas l'habitude de faire des choses ensemble. Nous avons un problème avec le rassemblement. Maintenant, ça interroge une réflexion beaucoup plus grande. En réalité, être Camerounais, ça veut dire quoi? Nous sommes quoi? Qu'est-ce qui caractérise un Camerounais? Voilà les responsabilités des partis politiques. C'est-à-dire nous fournir la réflexion sur ce que nous sommes. Nous fournir un projet de société par rapport à ce que nous sommes en réalité. Nous sommes des êtres qui nous divaguons comme ça. Nous sommes des êtres sans réel ancrage politique. Nous sommes des êtres qui avons du mal à nous rassembler. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question du PCN ne nous interpelle pas pour que nous revoyions notre projet de société, pour que nous revoyions un certain nombre de mécanismes de notre vivre ensemble, si on peut parler du vivre ensemble? Et de là même, je vais m'interroger sur certains aspects. Deux termes qui me révulsent, francophone, anglophone, ça veut dire quoi? Lorsque vous avez un Baganté qui est parti de l'ouest du Cameroun, un instant, c'est pour qu'on comprenne, ce sont des questions qui nous concernent. Lorsque vous avez un Baganté qui est parti de l'ouest du Cameroun il y a 50 ans et qui s'installe à Kumba, vous le traitez de quoi? D'anglophone ou bien de francophone? Cette question du PCN nous oblige à ouvrir une réflexion plus grande sur le projet de société de ces partis politiques. Qu'est-ce que nous fournissons? Est-ce que nous pouvons fournir des éléments de changement de la société par rapport à ce que nous sommes? Et ça enclenche aussi une autre chose. Est-ce que les partis politiques qui sont des associations telles que structurées, est-ce que ces partis politiques peuvent faire appel à une ressource humaine extérieure pour les accompagner dans la perspective de rédiger un véritable projet des sociétés? Donc, vous voyez, autant de questions en 2024 qui ne sont pas résolues, mais qui émergent avec, bien entendu, la question du PCRN d'aujourd'hui. – Amar Okol, que répondez-vous à ceux qui disent que le PCRN a tendu le bâton pour se faire fouetter? Lui-même, à l'origine de ce Robert Kona évoque
des promesses non tenues par le président Cabral Libi. Je crois qu'il va en parler. Il disait avoir demandé maison, véhicule. Cabral Libi lui aurait promis en 2019 que ses souffrances étaient terminées. Ce sont les propres propos de Robert Kona. Mais rien n'a été fait jusqu'ici, dit-il. Mais pourquoi vous n'avez rien fait pour le sortir de cette situation de précarité, visiblement, qu'il décrit lui-même? Qu'est-ce qui s'est passé? Michael, c'est très sérieux et il sait que, en fait, vous posez cette question non pas pour vous-même, mais pour la nos téléspectateurs, oui, téléspectateurs. Les gens comprennent ce qui s'est passé. J'entends des gens rire sur le plateau et c'est la seule chose qui me gêne qui rit. Mais ça ne peut pas perturber, mais de quelque manière que ce soit, ma sérénité. Et je voulais rassurer M. Yumbi, justement, que dans les prochains jours, nous allons procéder au lancement de notre projet de société, celui du PCN qui porte sur 11 points. Il y en avait déjà un, mais il a été toiletté. Et il va avoir ensuite une large mobilisation militante sur l'ensemble du territoire national pour partager ce projet de société et pour asseoir les équipes de brigades de surveillance. Donc, vraiment, ça, c'est imminent, c'est dans les tout prochains jours. Je vous ai dit dans le précédent débat que je me méfiais beaucoup des panafricanistes qui sont prompts à donner des leçons à l'extérieur, mais qui, chez eux-mêmes, ne donnent pas des leçons, mais qui soutiennent le pouvoir. J'ai entendu parler tout à l'heure, et ça, ça m'a gêné énormément, de connivence. La connivence, la voici. Voici la connivence entre un qui se revendique panafricaniste et le pouvoir. Parce que si Bandakan a l'outrecuidance devant les millions de Camerounais qui nous écoutent de dire que il s'est dit ci ou il s'est dit ça avec le parti Univers. Mais ça me gêne tellement parce que j'ai vécu les souffrances de Bandakani, il l'a dit, au moment où justement des réfractaires, des gens qui sont essentiellement portés sur les méthodes surannées, en fait, pour l'évincer à la tête du Manidem à son époque. Et il sait que moi, j'ai couvert ses activités. Qu'est-ce qu'on peut faire comme reproche à un homme qui a reçu l'investiture d'un parti politique, le Parti Univers, pour ne pas le nommer, pour prendre part à l'élection présidentielle, et qui, au sorti de cette élection, dit: Univers m'a offert une possibilité extraordinaire de visibilité, d'aller au contact des Camerounais, d'aller solliciter leur suffrage. Et la moindre des choses que moi je peux apporter à Univers, c'est que je rentre dans l'appareil de Univers, non pas à la tête, mais je souhaite être le secrétaire général de cette formation politique qui m'a tout offert. Quel est le reproche qu'on peut faire à un acteur politique qui estime donc que, comme il est allé à un suffrage et que cette échéance a été saluée par l'ensemble des Camerounais, apporter que ce soit sa petite intelligence, son bagou, son aura, sa visibilité et les autres acteurs, les amener au sein du parti au pouvoir. Vous pensez sincèrement qu'on peut faire le reproche à un acteur comme celui-là? Le seul problème qu'il y a eu entre Univers et la dynamique que porte le président Cabral Libi, c'est qu'il a voulu intégrer l'appareil, non pas pour prendre la tête, mais comme secrétaire général. Ça, tout le monde le connaît, vous avec, parce que vous l'avez reçu. Mais d'où vient-il? Et j'ai entendu des choses ici, que le ministre Famé Ndongo a parlé, il a dit un certain nombre de choses. Mais bon sang, le panafricanisme se souvient désormais que les acteurs, les apparatchiks du pouvoir, tout ce qu'ils disent est parole d'évangile. Mais il y a un principe simple, si vous voulez parler de la connivence. Si jamais il y a eu, Monsieur Bandakani, je vous en prie, puisque vous allez, non, vous êtes en train de m'interrompre. Allez-y, on a plus assez de temps. Je vous ai pas interrompu. D'où vient-il? C'est pas ce jour-là. D'où vient-il? Allez-y. L'élection présidentielle, me semble-t-il, a eu lieu en octobre 2018. Au sorti de cette élection, en février 2019,
Cabral Ibi demande à intégrer l'appareil de l'univers. Les responsables de l'univers, pour des raisons qui sont les leurs, estiment qu'il ne peut pas intégrer l'appareil. Vous l'avez déjà dit avant. À partir de ce moment, nous sommes à la croisée des chemins. Il faut le dire, on n'a pas une formation politique alors qu'il y a déjà une dynamique. Il y a une base qui est déjà solide et on doit aller aux élections présidentielles. Un acteur et une dynamique qui sont de connivence avec le pouvoir, n'est-ce pas très rapidement qu'on lui confère un appareil politique? Parce que j'ai entendu des gens dire également, il était en location, qui crée sa formation politique. Et c'est pour ça que je suis parfois très gêné, parce que les gens écoutent les débats sans percevoir le message de ce qui s'est dit. Mars 2019, nous déposons régulièrement un dossier de légalisation du parti Les Citoyens. De mars 2019 à mars 2024, jusqu'à aujourd'hui, ce parti n'a jamais été légalisé. D'où vient-il qu'il y ait donc la connivence entre un acteur, une dynamique et le pouvoir, mais qu'on refuse à ce partenaire d'avoir une formation politique? Mais allons plus loin. Quelqu'un a essayé tout à l'heure, dans une gymnastique intellectuelle, de nous faire une démonstration de la différence entre les réunions politiques et les manifestations politiques. Un congrès électif, il obéit à quoi dans votre catégorie? À une réunion publique ou à une manifestation publique? Dites-moi, pendant que nous sommes. Quand je disais tout à l'heure que vous ne mettez... Mais vous n'avez aucune réponse à donner, parce que vous ne connaissez pas pour... Vous posez la question, pourquoi je réponds? Non, les manifestations, les manifestations publiques, on n'a pas besoin de faire de grandes... Non, je peux vous faire une leçon là-dessus. Une manifestation publique, c'est fait sur la place publique. Oui. Mais pour élire, pour faire un congrès, a-t-on besoin d'aller sur la place publique? Donc, vous n'avez rien compris. Conclusion simple, pour faire un congrès, il faut déclarer l'objet. Il m'interpelle. Il y a l'objet. Prenez cette lettre-là. L'objet n'est pas là. Les domiciles de ceux qui convoquent ne sont pas là. Hein? C'est le minimum. Je vais le lire tout à l'heure s'il me redonne la parole. Merci. Amand. Il est président. Oui, il est public. Alors, on n'a plus de temps. Monsieur Michael, d'où vient-il? Et je croyais que j'avais été suffisamment explicite. Avez-vous entendu parler du PCRN avant que le président Cabral Ibi ne soit élu? D'où vient-il que vous attendez à ce que, lors de ce premier véritable congrès, il y ait déjà une masse médiatique importante pour couvrir cet événement? Mais les images en question ont suffisamment circulé. Les gens ont vu ces images circuler. Mais mieux, pour contester aujourd'hui au président Cabral Ibi la légitimité d'être à même de parler au nom du PCRN, mais de vous à moi, le président, l'ex-président Robert Kona aurait pris part à ce congrès de Guidiguis, aurait-il pris part au congrès de Ngaoundéré où il y a le toilettage des textes? Allons plus loin. Mais parlant de la connivence, si jamais il y avait eu la moindre connivence entre la dynamique que conduit le président Cabral Ibi et le PCRN, la logique aurait été que l'élection des conseillers régionaux soit une élection gagnée normalement par le PCRN, parce que dans l'Union Ekele, où nous avions la majorité des conseillers municipaux, quand il y a connivence, la connivence fait qu'on se partage un certain nombre de choses, et le partage le plus évident, c'est que vous avez le plus grand nombre de conseillers, normalement vous l'ayez. J'ai entendu quelqu'un qui n'a jamais pris part, même à une élection de chef de classe, que tous les élus du PCRN sont sur la nationale numéro 3. Pendant qu'on y est, Menganga, c'est sur la nationale numéro 3, je voudrais savoir. Menganga, le PCRN, à 5 ans. C'est pas moi. Mais arrêtez de vous abreuver. Il dit que votre parti, l'essentiel de vos militants, n'a pas dit tous les militants. Il a dit l'essentiel, c'est sur la nation, autour de la nationale numéro 3. Finalement, vous vous reprenez à chaque fois. Lorsque vous n'avez pas la maîtrise d'un sujet. Vous l'avez écouté. Vous avez la maîtrise d'un sujet, monsieur Okol. Amand, on termine, on va sortir. On va sortir de là. Je voudrais poser la question. Je reviens à vous tout à l'heure. Et ce sera la dernière prise de parole. Bandakani, est-ce que quand on regarde ceci, je crois que Eric Yombi a parlé tout à l'heure de l'UPC.
On a vécu ça avec d'autres formations politiques par le passé, on a envie de le dire. L'UPC peut en dire quelque chose, le CPP peut en dire quelque chose. Bien d'autres formations politiques au Cameroun, on l'a vécu. Et à chaque fois, c'est le ministère de l'administration territoriale qui est accusé de vouloir diviser, de vouloir fragiliser les formations politiques. Dans mon propos d'antan, oui. Moi bien suivi. C'est que Eric a dit, je vais aller plus loin que lui. Cet arsenal-là, politico-policier, on peut dire ça comme ça, c'est ce qu'on appelle l'administration territoriale aujourd'hui à Maokal. Il n'a pas dit, moi je dis ça. C'est l'héritage direct. Mais nous parlons des faits, nous parlons d'un appareil politique, d'un État qui a ses racines, qui a ses traditions, qui a sa culture. Et ce n'est pas vous que je vais apprendre ça. Vous êtes un grand politicien. Ce n'est pas vous que je vais apprendre ça. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai dit que la leçon dont il y a une jurisprudence en la matière dans le pays, vous avez cité un ensemble de partis, c'est la jurisprudence. Il me semble que quand on crée un parti ou qu'on se lance en politique, il faut étudier correctement cette jurisprudence. Parce que c'est ce que j'ai dit. Où est l'insulte là-dedans? Est-ce que j'ai insulté à moi quand je dis ça? C'est juste un petit rappel. Et d'ailleurs, il y a tout à l'heure un aveu qui fait un monde de vision. Si vous dites que, ok, le PCN représentait quoi avant qu'on vienne? Un, vous n'allez pas chercher une coquille vide. Ça veut dire que vous êtes vide. Vous n'allez pas chercher une coquille vide. Si vous allez chercher ce parti, c'est qu'il valait quelque chose. Deux, c'est vous qui qualifiez cette réunion de congrès. Mais le document qui circule ne dit pas que c'est un congrès. Et de facto, le ministre peut exploiter ça contre vous. C'est tout ce que vous essayez de dire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que le document la réunion que vous appelez congrès, qu'on a dit que ce n'était pas un congrès, et le document montre que c'était une réunion. Oh, les statuts du parti. Non, Robert Kona lui-même. S'il vous plaît, non. Je voudrais. On est quand même on est dans une émission sérieuse pour la gouverne des téléspectateurs. Robert Kona, que nous avons eu dans un entretien, lui-même nous a parlé des effets du congrès de Guy Diguis. Il l'a dit clairement. Et du congrès de Gaoundéré. Il les cite parfois comme exemple. Je ne peux pas laisser ça passer quand même. Il faut que nous soyons vrais à l'endroit. Voilà, non, l'endroit de je ne voulais pas entrer dans ça. Peut-être que je voulais proposer les dits contradictoires de M. Kona qu'Amo Okol lui-même a convoqué. Donc il dit une chose. Vous voyez ce qu'il a dit il y a quelques jours. Allez écouter. Voilà. Donc je vous dis que moi je ne prends pas ces dits. Au début, je vous dis que c'est un mariage. On fait attention quand on fait des mariages qui se disent des déchets. D'accord. Attendez. S'il vous plaît, on n'a plus de temps non, là. Le générique est en train de tourner déjà. Je savais que vous allez me dire ça. Laissez-moi terminer. Oui. Parce que vous avez beaucoup de temps de parole. Rapidement, s'il vous plaît. Donc, donne 30 secondes. Quand j'ai dit ça, je reviens sur vous. Il faut écouter quand les gens parlent. J'ai dit qu'il y a un précédent. Je n'ai pas dit qu'il avait raison. Il y a un précédent et Koumonda a produit un document dans Le Messager. Toute une page. On peut retrouver ça. Oui, ce qu'il dit, ce sont des termes très durs. Alors, le président Kabila le dit. J'ai soulevé le président. Quand vous parlez de connivence, mon cher Amo Okol, moi je suis fidèle à l'amitié, je vous respecte. Il y a chose que je ne dirai pas ici. Mais quand vous dites que je suis de connivence avec le pouvoir, vous avez rendu moi tout à l'heure à M. Kampan Mondovision. Il a fait 7 ans vraiment. C'est plus que la condition, mais vous lui rendez hommage. C'était un seul instant le moindre privilège que j'ai eu du pouvoir de Yaoundé. Je n'en demande même jamais. J'ai dit un seul privilège, même un indice de privilège. C'est pas un débat sur vous. Non, c'est important. C'est un débat sur mais vous. Je dis ceci. Oui. Le président Kabila, depuis le début de sa carrière, en passant par l'université, moi, dans les années 2000, moi j'ai encadré les étudiants malidiens. Ils fuyaient Yaoundé, ils étaient persécutés, pourchassés. Réprimés, je les ai accueillis au Malidien, moi je les ai gardés pendant un mois. Ils accusaient tous Kabila Libi d'être leur bourreau. Parce que c'est le connivence avec le recteur. Je le dis. Merci. On peut continuer à le dire. D'accord, on a entendu. Donc il ne faut pas qu'on. Sortons, c'est pas. Ce non, c'est pas un débat sur Kabila Libi, s'il vous plaît. N'entrons pas dedans. Merci beaucoup. Comment on va sortir? À quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? Vraiment, en quelques mots. Écoutez, non. Oui. Ce qui se passe simplement, et vous venez de l'écouter, là, c'est le venin des gens qui sont permanemment dans une sorte d'aigreur. Je ne vais pas demander. Non, je ne vais pas demander. S'il vous plaît, on est en train de sortir. Je ne vais surtout pas. S'il vous plaît. Je ne vais pas écouter. Oui, allez-y, rapidement. À quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours? Est-ce qu'il y a une réconciliation prévue? Ça ne peut plaire à personne qu'un acteur qui est arrivé en 2017
soit à la tête en 2020 d'une formation politique qui a 5 députés à l'Assemblée nationale, qui a 7 mairies, qui a 206 conseils municipaux. C'est un signal. C'est un signal. Troisième élection présidentielle. Écoutez, mais ça, c'est la démonstration et la preuve tangible que la période des longs couteaux est déjà entamée et que des acteurs ont été mis à contribution pour avoir la tête de celui qui représente le plus l'espoir pour cette élection 2025. Merci beaucoup. Nous, nous nous adressons aux Camerounais et aux électeurs. Messieurs, nous ne nous adressons pas à ceux qui pensent que en s'attaquant à un homme dont le seul tort est celui d'avoir osé et d'avoir réussi là où la plupart ont échoué. Appelez ça comme merci, vous voulez. Merci beaucoup. Merci. On va sortir. Je dis simplement aux Camerounais, voilà la preuve tangible pour ceux qui avaient encore les doutes que leur meilleur espoir est le président Cabral Libi. Et qu'en 2027, lorsque nous arriverons au pouvoir, et bien ce que nous ferons, c'est que nous allons puiser notre pouvoir. Merci. Merci, messieurs. Merci, messieurs, d'être venus. On n'aura plus temps. On a débordé. On va refaire le débat. On refera le débat une autre fois. On refera le débat. Bandakani, l'émission est terminée. Merci, messieurs. Merci Armand Okol d'être venu à cette émission d'appel déplacement Yaoundé. Merci au président Bandakani. On se calme. Merci beaucoup, Bandakani, d'être venu. Merci infiniment. Merci à vous, Yves. Bienvenue à Bama. Et vous, merci aussi à vous, Eric Yombi, d'être venu à Canal Presse ce dimanche. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Passez un très bon dimanche et à dimanche prochain.